Allez, c'est parti, on va commencer le stream. Logiquement, il y a pas mal de gens qui sont déjà là, donc ça fait plaisir. Il est quelle heure là-bas? Ben attendez, je viens de le dire. Je vois beaucoup de questions qui reviennent. Donc je vais essayer de lire le chat en même temps de jeu, etc. Donc ça va pas forcément être si simple parce que j'ai pas forcément l'habitude de le faire. Mais voilà, donc eh bien bonsoir. Bonsoir Skyros, bienvenue parmi nous sur Level Down. Bah, merci à tous. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Donc bah bonsoir à tous parce que je pense qu'il est minuit chez vous bientôt, mais c'est vrai que j'ai pas mal de messages de personnes qui me disent ouais, on est au Canada, on est aux Antilles, etc. Et ça fait plaisir de voir que finalement ça dépasse un petit peu la mer, voilà, ou l'océan. Question de point de vue. Donc, je regarde un petit peu sur mon truc. Ça va bien, donc ça va partir. Est-ce que vous avez une petite question juste avant de commencer? Je pense le faire, bien évidemment, au sniper. Alors, je vais faire une petite classe quand même, au cas où si les gens me pètent les couilles. Ça arrive, ouais, surtout le week-end, double XP. Vous doutez bien qu'il y a eu un lâcher de pète couilles. Et forcément, bah, des fois, tu trompes contre eux et puis ça te jambonne. Voilà. Ouais, se faire jambonner, c'est un nouveau verbe dans le dico. C'est se faire emmerder, se faire jambonner, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser, hein, il n'y a pas de copyright dessus, l'expression. Donc je vais mettre celui-là parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien ça. Donc comme vous pouvez voir, j'ai le camouflage royauté et diamant sans même avoir fait ces défis-là. Magnifique, les petits bugs d'Advanced Warfare. Donc ça sera bien évidemment patché. Hein, ils ont dit qu'ils étaient au courant du problème, qu'ils allaient patcher ça, mais bon, j'en ai rien à foutre. Voilà, tout simplement. Et alors, voyons voir s'il y a des petites questions avant de commencer. Moi, je suis au gentil. Ah, Pépito 9, non, bah, 971, oui, effectivement. Bah, ça fait plaisir, franchement. Julien, tu peux faire le hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Je sais pas, je sais pas, je vois souvent des commentaires par rapport à cette phrase. Je m'étais jamais rendu compte que bah, finalement il y avait un truc spécial avec cette phrase-là. C'est comme une habitude que j'ai de dire ça. Hey, salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live au Sniper! Et voilà, c'est comme une phrase que j'ai dans la tête. C'est comme un truc que je dis et je sais pas, j'ai l'habitude comme ça et. Je m'étais pas rendu compte que c'était comme un truc comme ça, mais bon, ça fait plaisir, si ça fait plaisir, et voilà, encore une fois l'expression, ça fait plaisir. Il n'y a pas de son du jeu, bah ouais, pour encore, il n'y a pas de jeu. Donc, je pense que c'est normal qu'il n'y ait pas de son de jeu. Donc, je suis en train d'essayer de voir. Mes oreilles. Ah! Si j'aime les chocapics, j'en mange pas de chocapics. Hein. Oui. Est-ce tu veux un bisou? Mais c'est gentil, Thomas, petit bisou, comme ça. baisse le son de ton casque. D'accord, je vais baisser le son du casque. Alors, si apparemment c'est un peu fort, effectivement, je pense que je voudrais pas que ça sature. Effectivement, en plus, quand je me mets à crier, généralement, ça commence à partir un peu en zouzoute. Donc. Tu vas faire que du Advanced Warfare. Alors pour l'instant, oui, je vais faire que du Advanced Warfare, mais il est prévu. Comme j'ai dit, là, ça va être un. Parce qu'il y a pas mal de gens qui reviennent. Putain, ça fait plaisir. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je me sens un petit peu timide. putain, la vache. Donc effectivement, là aujourd'hui ça va être Advanced Warfare, mais le but est de reprendre les streams. C'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas fait, et là j'ai trouvé une plateforme, Level Down. On peut dire que c'est vraiment une super plateforme. Voilà, donc je me suis vraiment bien senti dessus. C'est une plateforme comme ça que je cherchais depuis un moment. Donc enfin je l'ai trouvé, je suis bien ici, ça fait plaisir. Merci à Mister B-Boy de m'avoir accepté parmi le groupe. Effectivement, groupe très fervé, donc ça fait vraiment plaisir d'être là. Le but c'est de commencer et de faire pas mal de streams. Je sais pas encore comment ça va se passer sur les rediffusions, si je vais les mettre entièrement sur ma chaîne ou si je vais faire un condensé, etc. Je vais y réfléchir à ça. Et bien évidemment, bah, je vous demanderai votre avis avant de prendre une décision, parce que bon, c'est un travail d'équipe, hein. Donc aujourd'hui, Advance Warfare, mais le but est de faire comme la dernière fois, par exemple, où j'ai eu Far Cry 4 en avance, faire un stream sur Far Cry 4, etc. Donc essayer de varier un maximum pour justement utiliser les streams, pour ne pas présenter quelque chose que je présente bah, sur ma chaîne régulièrement, mais pour un petit plus. Voilà, justement utiliser l'avantage du stream, d'être là, de pouvoir parler pendant que je fais la vidéo, d'utiliser ce petit plus-là pour faire d'autres choses. Alors ça va être du GTA, en plus je l'ai sur Xbox One, donc ça va lancer la boulette là. Et GTA, puis bon, toutes les conneries de jeux qui sortent et puis qui font plaisir, voilà. Allez, on va partir. Il y a les gars qui trickshot. Alors j'ai fait ma classe trickshot, attendez, regardez. Oh putain, classe trickshot.
Elle est où? Alors, je sais pas si elle est bonne, parce que bien évidemment, Trickshot, vous savez bien que je suis une grosse merde, mais je vais lancer de la mêlée générale. Si j'arrive à 29, je tenterai des Trickshots. Vous allez voir à quel point je suis pas très bon, mais c'est pour le fun, on est là pour s'amuser, on s'en bat les couilles. Donc voilà. Putain, il y a Lokohama. Non, c'est Lokokohama, donc j'imagine que ça va être un bon petit fake. Ou, ouais, fait du GTA. Mais non, mais là, c'est qu'elle va se faire. Donc, j'ai pas encore. Je te rappelle tout lien spam, machin, etc. Bon, bah, s'il y a des gens qui peuvent contrôler un petit peu le chat, ça serait pas mal. Prochaine fois, je mettrai un modérateur pour essayer de bien contrôler ça, parce que je sais pas trop le faire encore. Je vous ai dit, c'est du rodage, c'est du début, on va partir, mais le général, free for all, allez, c'est parti. Alors, bon, vous me dites s'il y a des problèmes au niveau du son. C'est surtout ça que j'ai eu du mal à régler. Si au niveau du son, il y a des petits problèmes. Putain, je vois le mec, là, Critical Pain. Tout à l'heure, j'ai joué, il m'a cassé les couilles, ce bâtard. Oui, bâtard, bah ouais. Ouh. Ouais, ta gueule. Merci. Hey, en plus, le mec avec sa voix là. Non, mais arrête, s'il te plaît, arrête de te la cramer là. Moi, j'ai fait ma classe, tu vois, regarde, si tu te la pètes, je te pète. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ma petite classe anti-emmerdeur. Alors bon, dans la facilité, tu pourrais prendre la balle 27, mais je pense que, tu vois, ça enlève un petit peu de prestige, tu vois, tu prends la balle 27, tu dis bon, voilà, mais si tu le pètes avec une autre arme, le mec, il a encore plus la rage, donc j'aime bien la balle 27 là-dessus. Donc, alors, Skiz qui me dit je t'aime, et moi aussi je t'aime, petit coquin, va, pardon. Et pourtant, j'ai arrêté de fumer. Ouais, effectivement. Bon, je dis pas, des fois, je claque une douille de clope quand on est avec des potes, etc. Mais j'ai arrêté de fumer. Voilà, c'est très difficile d'arrêter de fumer. Alors, franchement, ne commencez pas, je peux vous le garantir. Alors, commencer, c'est simple, hein. Tu clopes avec tes amis, tout ça, une douille de clope, tout ça, de temps en temps. Arrêter, c'est dur. C'est pas, t'arrêtes pas en deux semaines. C'est un combat de long, des mois. C'est dur d'arrêter de fumer. Et tu le sais que c'est mauvais pour la santé parce que tu sens que tu changes physiquement. Que ça altère ton truc, donc si vous n'avez pas commencé, n'y pensez pas. C'est alors, ouais, vous dites, ouais, ça fait cool de fumer, mais franchement, cancer du poumon, c'est pas très la classe, quoi. Non, c'est pas trop la classe. Ouais, c'est parti. On va pas parler de choses tristes comme ça, effectivement, c'est des réalités, mais bon, c'est difficile, donc évitez. Alors, bon. C'est parti, voilà, bon, et on va casser la vitre parce qu'on est un rebelle, voilà, on aime bien foutre... Oh putain, il y a une lampe, on va la casser aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'espère que je vais tomber sur un bon accueil, c'est surtout ça un petit peu le problème. Oh putain, je crois que j'en ai vu un là. Eh ben, ça commence bien avec un petit hitmarker. Voyons voir, stop les spams, ouais, s'il vous plaît, pas de spam. Je pense qu'on est entre gens un peu sérieux, donc... Ouais, essayer d'être un petit peu sérieux et de pas dire ou faire de conneries un petit peu. Voilà, bon, je pense que ça paraît logique. Oh putain, j'ai réussi à l'avoir. Il est où lui? Oh, encore un pour la quadfide. Oh non, je l'ai loupé, oh, le con de merde. Putain, en plus il y avait la 5OS puisqu'il y avait la 5ème. Ah, ah putain. Donc, n'hésitez pas à me dire si au niveau du son ça va. Son de jeu, son de voix, voilà, des trucs comme ça. Il est où lui? Elle est là. Il va partir se planquer, hein. Ah, et merde, j'étais dessus. Oh, coquin, va. J'étais en plein dessus, en plus. Ils sont où? Mais ils sont où, les ennemis? Donc... Bah, généralement, sur cette map-là, le spot est bien au milieu, parce que... Bon, merde. Tiens, patate. Surtout au début... Ouais, attends, il s'est barré. Petit check là, y'a rien. Hop, il est parti où le coquin? Il est parti derrière. Ah, le vilain. Surtout au début, bon, quand tu vas lancer la partie, les gens sont un peu partout parce qu'ils sont en train de voir quelle est la stratégie des autres. C'est normal, ça se teste un petit peu. On est comme des animaux, on est là, on se montre les dents, on est. Merde, oh putain, y'a du monde. Attends, y'a du monde. Me tue pas, gamin, me tue pas. Putain, j'ai tiré à côté, mais quelle merde. Alors. Donc, on joue. Comme Véronique, sans son. Y a pas de son. J'ai pas d'image. Modo meilleur. Y a pas de son. Du jeu du tout. Son du jeu. Ah, y a pas de son. Alors attendez. C'est bon, y a le son. Le son qui met la pression. Garçon, c'est l'oppressé contre la répression. Y a plus de maître ici, peu d'MC. Allez, c'est parti. Free for all. On y retourne. Du coup, je vais remettre le son. Parfait, ça va, il a compris, je pense, ouais. Ah, putain. Pour le best-of, les best-of, c'est tous les mois. Bah, ouais, forcément, bah, je raconte pas assez de conneries pour en faire tous les jours non plus. Enfin, pas filmer, parce que
Sinon, si on me filmait toute la journée, effectivement, je pense qu'on pourrait faire un best-of toutes les 3 heures, vu le débit de conneries que je raconte. Donc, c'est le bordel, c'est... Et oui, c'est le mimi, c'est le rara, c'est la merde. Et non, c'est bon, il y a le sang. Donc, bienvenue à tous pour le live. Là, je sais pas vous péter les oreilles. Putain, c'est arrivé à la fin, tout à l'heure, il y avait une partie qui était bien, en plus. En plus, l'autre, il se l'a pété, l'autre gamin, là, je voulais lui mettre sa raclée, mais bon... Ah bah il marque, bah c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Bon alors, bon la partie elle arrive à la fin, c'est pas trop grave. Merde, oh là là, oh le vilain. Oh putain, il a tiré à côté le con. Donc bah c'est bien que tout fonctionne là, comme ça au moins je garde les réglages. Merde, oh quel con de... Ah mais recharge et réarme, voilà. Enfin. J'aime pas vraiment cette map. Putain, j'ai tiré au-dessus. Ah, il a sauté, mais après. J'aime pas vraiment cette map en mêlée générale. J'aimais bien au début, mais maintenant j'aime moins. Voilà. J'aime moins. Mais à chaque fois que je veux tuer un mec, il se. Ah, mais coquin! Oh putain. Alors là, normalement, il y en a un qui va arriver là. Et oh putain, comment je le sais? Oh, je l'ai niqué! Eh bah lui, je l'ai pas niqué par contre. Bah arrête! Ah bah voilà. Encore un là. Souvent il y en a qui arrivent dans la porte. Ouh putain, j'ai entendu un mec arriver. Bon, attends, on va faire le zoom. Bon, de toute façon la partie, on sait bien qu'elle était arrivée à la fin. Je vais arriver là-haut voir ce qui se passe parce qu'il y a l'air d'avoir un peu d'activité paranormale. Ah oh, mais arrêtez de sauter les gens. Moi j'ai le droit, pas vous. Voilà. Crève. Oui, il y en a là. Oh, il s'est barré. Oh, le coquin. Oh, c'est que des coquins en face. Hein. Oh, putain. Et... Ah, voilà. Ah, merde. Oh, une petite fuite headshot, là. Ah, l'hélicoptère. En live. Là, en stream, là. Tu fais l'hélicoptère en stream. Allez, c'est parti. Bon, on a perdu, mais c'est pas grave. On savait qu'on était, dans le truc. Stylé, le jaune, je l'aurai dans pas longtemps. Fais-nous un trickshot. Bah ouais, mais faudrait que j'arrive à 29. Je vais pas faire un trickshot en pleine partie. J'aurais l'air d'un con. Skyro, je suis derrière toi. Mais comment ça? Mais y'a personne derrière moi. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ouais, ça ferait peur, en fait. Ah, putain. T'imagines, t'es là, tranquille et tout. T'as un truc qui te caresse l'oreille. Tu te retournes à quelqu'un. Je crois, par réflexe, tu mets une patate, tu vois. Bon, par réflexe, c'est juste... Ouais, c'est ça. Dis mon blaze, s'il te plaît. Oh, je le dis, mais je pense qu'il y a beaucoup qui vont le demander. Mais je le dis rien que pour toi, demandez pas. Putain, mais faut que t'aies un blaze sympa. Yo, Volt. Alors, je vois, de temps en temps, je regarde pas forcément tous les messages, je suis désolé, je peux pas, ça va trop vite, et en plus en juin. Mais je vois Skies qui essaye de me draguer un peu. Salut, coquin. Tu vis chez tes parents? Non, je suis sur Xbox One. Tu l'as déjà dit, imagine en live un fantôme... Ouais, je l'avais dit. J'avais dit un fantôme qui apparaît. Ouais, mais là je parle de quelqu'un, un fantôme. Je vais pas dire que ça existe pas, parce que là, putain, je vais avoir des cauchemars et tout, mais... Tu pourrais baisser un peu le son du jeu. Ah bah voilà, bah, maintenant faut que je le baisse, putain, bordel. Ah, cochonnerie. Alors ouais, je vais baisser un peu le son du jeu, effectivement. Je pense que c'est haut. N'hésitez pas à me dire si ça va bien maintenant. Je pense que... alors... Moi, je pense à toi, Ferg. J'ai du mal à prononcer les noms. Je me souviens déjà à l'école, quand tu rentrais à la classe, t'avais toujours... Bon, on était 30 élèves en moyenne dans la classe. Et forcément, bah, dedans, t'avais 25 personnes que tu connaissais pas. Je mettais au moins 6 mois avant d'apprendre leur nom. J'ai une horreur. Pour apprendre les noms, c'est vraiment catastrophique. Et j'étais là, même au bout de 3 mois, tu sais, les mecs, ils disent « Eh, toi, Julien !» Je m'appelle Julien, pour ceux qui savent pas. Et je fais « Eh, ouais, c'est sympa, toi. » La blonde. Ou je sais pas, ce que tu veux, en fait, on s'en bat les couilles. Jean-Louis, Jeanne-Louise. Oh, putain, elle est bonne, celle-là, Jeanne-Louise. Ouais, après, Jean-Louis et Jeanne-Louise ont un enfant. Comment ils l'appellent? Bertrand. Ça n'a rien à voir, on s'en fout. Les prénoms sont pas héréditaires. Ouh, putain, il y a quelqu'un, là. Bon, je vais me concentrer un peu, parce que je sens que je vais me faire culbuter, sinon. Et, bah, ça va pas le faire, forcément. Arrête de sauter, toi, gamin. Ouh, attends, il y en a un, là. Viens là. Oh, merde.
Ah, Hitmarker, il est parti où? Oh non! Mais c'est pas vrai! Putain, mais j'étais dessus! Enfin, Jean-Louis! Mais t'as pas mangé ton casse-dalle à midi! Je t'ai fait un jambon beurre en plus! Oh merde! Oh putain, mais c'est quoi cette eau de coco là? Ouais, c'est coco, c'est un nom pour dire de l'alcool ou quoi? Alors attends. Et jouer bourré, c'est un truc, tu n'as plus de réflexe. Hein. C'est pas possible, là. Non, je vous le déconseille aussi. Ils sont où? Viens là, Hector. J'ai un petit cadeau pour toi. Oh merde, oh l'enculé. Ah bah, j'avais pas prévu ça. C'est vrai que. Il y a quand même une grosse nouvelle habitude qu'il faut faire sur ce jeu, calculer les déplacements. Ça, c'est le plus gros truc, franchement, dans Call of. T'arrives à calculer les déplacements, c'est bon, t'es un dieu, je veux dire. C'est ça, c'est le but de Call of d'être bon, c'est calculer les déplacements. Et là, dans ce jeu-là, les déplacements, ils sont tout ouf, tu vois. Son of a bitch! Ah, il joue N45, allez, courage. Parce que tu peux sauter comme ça, tu peux sauter comme ça. Et moi, la technique que j'aime bien, regardez, je vais vous le montrer. Parce que souvent, quand tu vas sauter, tu vas faire le double saut. Faites un saut comme ça, de côté, hop, tu refais un double, hop, tu refais un devant. Et comme ça, du coup, le mec, il dit, putain, il est où, tu vois, tu le prends pour un âne, tu vois. Tu fais, et parce qu'en fait, t'as le droit à un dash. Mais si tu fais ton saut, tu fais ton dash, tu refais à ton saut, le double saut, tu peux refaire encore un dash. Et donc, du coup, t'as un double... C'est quoi ce truc qui vient de se poser à mes pieds? T'as un mouvement en plus, et oh merde, oh merde, quel con. Et donc, du coup, bah, l'ennemi en face, tu vois, tu le mets un peu dans le gruyère. Dans le beurre, tu vois, dans ce que tu veux. Le beurre, l'argent du beurre. Alors, les hitmarkers, j'avais dit non. Merde. Alors. Allez, un peu de concentration. Oh putain, ils sont deux là. Allez. Oh putain, tout est broke. Ah, enfin. Oh, il y en a un autre là, non? Non, c'était un cadavre. Enculé! Ah, vite, la quad feed, là! Elle est où, la quad feed? Eh, merde! Ah, hitmarker. Oh, putain. Ah, bah, là, c'est cramé, hein. Wouah! Wouah! Allez, encore un. Ah, il me l'a volé! Oh, l'enfoiré! Ah, ah, le con de merde! C'est pas juste. Vivienne, va goûter les pâtes! Oh merde, con. Alors là, quand tu montes les escaliers, tu fais un petit peu le... Oh merde, j'ai visé la tête. C'est un petit peu le surprise, tu vois, t'es là, tu fais... Coucou, tu veux ma bite? Mais non, personne ne veut la voir, enfin, nous sommes pas des obsédés. Voilà, attends, lui je l'ai vu. Merde, un petit dash sur le côté pour y armer. Et celui de derrière, tu l'as pas vu? Oh merde! Oh, y avait moyen! Oh putain, vite, j'y retourne! Allez, coup d'impulsion! Merde, je suis arrivé de l'autre côté! Oh putain, quel con! Bah, c'est pas grave, toi tu vas mourir! Ah bah, je suis désolé, hein. C'est pas comme si je t'avais pas prévenu aussi, hein! Bah, tu t'attaques à regarder le live pour savoir que tu vas mourir! Ah, mais y a un petit décalage! Bon, bah, tant pis! Ah merde! En parlant de ça, est-ce que ça va toujours? Volume sonore? Volume sonore? Voilà, le son, le micro, tout quoi! Il va où lui? Ah, le hitmarker! Ah, le hitmarker! Ça me fait penser à la pub de L'Oréal. Comme on dit, je déclare la guerre aux pointes sèches et aux cheveux, je sais pas quoi. Et moi, je déclare la guerre aux hitmarker sur Call of. Il y en a marre, bordel, putain, c'est vrai que. Surtout que l'arme est vachement lente, tu vois. Un hitmarker. Oh putain, il y a un mec qui m'a rejoint. Mister Nekoz. Pourtant, je me suis mis en ligne. Hein. Si je me mets en ligne, franchement, c'est pas que je vous aime pas, les mecs. Hein. Loin de là, je vous kiffe, mais c'est une raison simple. Déjà, parce que si je me mets en ligne, il y a beaucoup de gens qui me rejoignent. Et bah, imaginez bien que moi qui aime bien mettre des clips au sniper, les gens qui sont en face sont toujours les mêmes, ou. Parce que là, encore une fois, je sais qu'il m'a rejoint, il a mis mon nom en nom de clan. Merci, c'est sympa. Dans le sens où. Quand tu fais une feed et que tout le monde en face a ton nom, en nom de clan, la feed tu peux pas l'utiliser, voilà. Donc c'est pas vraiment sympa. Si vous arrivez à rejoindre, bah c'est bien, tu vois, y a pas de problème, tranquille. Mais s'il vous plaît, mettez pas mon blaze en nom de clan, quoi. C'est la pire chose que vous puissiez faire, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment pas rendre service. Ah bordel de merde, cul de chiotte de merde. Attends, je vais muter tout le monde parce que j'ai entendu un mec qui parlait et ça m'a escabouillé les oreilles.
Alors je fais attention là, je suis à 3 kills, attention, je vais tenter un trick shoot. Un trick shoot en live. Ouh là là. Et si je le rentre mon pote, celui que je tente. Oh là 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 là. Alors là mon. Alors là mon coquin. Allez, on va prendre la classe trick shoot, c'est parti, check it out, il me reste un kill, je fais un double piece kill cam. Motherfuck. Attention, pas de gros mots, censuration. Il est où lui? Ouais, t'es mort. Ah ouais, mais je t'avais prévenu aussi hein. Allez, c'est parti, où est-ce qu'il y a un mec là? Attention, on a un là. Ouh. Merde, tant pis. Bon, alors ceux qui sont amateurs de trickshot. Merde, quel con. Ceux qui sont trickshotters, s'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. Je suis pas un trickshotter. Je fais ça juste pour m'amuser. Parce que j'ai un petit peu d'avance, pas trop d'ailleurs. J'aurais dû essayer d'avoir un peu plus. Allez, hop, voilà. Bébam. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote là? Je suis chaud là. Coup de pépito dans les dents. Ouf. Je crois qu'il se l'est pris en pleine burne. Oh, ça va pas faire un petit pic là qui transperce une boule, mon pote. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouh, ça, j'ai vu un mec, il a parlé de Kevichon. J'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé, il y a un mec, il a parlé de Kevichon dans le truc. Oh, Kevichon, mon pote. À ceux qui se souviennent de. Alors attends. Y a deux noms mémorables quand même dans les lives que j'ai fait. Il y a Kevichon. Et il y avait Juan of Duty. Alors ceux qui se souvient de Kevichon et Juan of Duty. Attention, je regarde les trucs. Tu nous feras gagner de la gamma. Alors c'est pas prévu encore, mais effectivement c'est une bonne idée. Je vais essayer de vous faire gagner de la gamma, faire des concours pour faire gagner de la gamma, ça serait pas mal. Qui se souvient de Kevichon et Juan of Duty? Personne. Kevichon the best. Attention. Alors c'est qui? Kevichon versus Juan of Duty. Qui gagne? Attention. Ça c'est la question piège. Donc bon, allez, je vais relancer. Je vais faire. Là, il reste quoi? Il reste un petit peu de temps. On va relancer ça. C'est parti. Attendez, je vais faire un petit truc. J'arrive d'ici 2 secondes. Vous inquiétez pas, les amis. Kevichon, la meuf au téton. Ah ouais, je me souviens. Il y avait le. Ouais, c'est ça. Le mec, il avait un emblème d'une meuf, mais genre la meuf a. Comme ça, tu sais, genre, le mec, on dirait les dessins, tu sais, du pré-Moyen-Âge, où ils avaient pas encore la notion de propriété, de perspective. Ouais, pardon, putain, j'ai un peu de mal. Ouais, mais mes cours, ils datent depuis un moment, hein, l'école, l'histoire. Ah, ils avaient pas encore la perspective au Moyen-Âge, donc c'est vrai qu'ils faisaient des corps un peu déformés. Tu vois, Kevichon, c'est ça. Le mec, il vient d'avant le Moyen-Âge, Kevichon. C'est un ouf. Allez, c'est parti. Alors, attendez, non, on va se la faire double snipe. Ta chaise, tu l'as achetée chez... Chaise... Je sais pas s'il a voulu faire une blague. Si c'est le cas, je suis désolé mec, c'est pas drôle. Mais si c'est une vraie question, je l'ai achetée dans un magasin de meubles pas loin de chez moi. Voilà. En fait, je voulais acheter une Razer. Pas une Razer, qu'est-ce que je raconte? Une DX Racer. Voilà, bon, les chaises de gaming qu'on connaît. Sauf que... Oh, il y a du monde! Oh, il y a... Attends, oh, bâtard! Oh, merde, il y avait un mec derrière. Chauve-souris et menton dans le ketchup, c'est que DX Racer ne livre pas au Mexique, tu vois, ces petits enculés. Ouais, je dis enculés parce que c'est dégueulasse, tu vois. Moi, j'en voulais une DX Racer et il livre pas au Mexique, donc du coup, je voulais l'acheter en plus, honnêtement, tu vois, avec mon argent, et j'ai pas pu parce que du coup, il livre pas. Non, mais gamin, mais... Ouh, attends, il y a revanche. Ouais, d'accord, un peu de temps pour la revanche. Ouais, non, en fait, je voulais pas prendre ma revanche maintenant parce que t'as m'as l'air sympa comme type. Tu m'as l'air plutôt honnête. C'est gentil, c'est sincère. Hop, là, on bascule. Il est là-dedans, hein. Oh, merde, merde. Attends, reviens, Léon. Bon, bah, tant pis. Ah merde, mais quel... Attends. Alors là, je galère un petit peu, je suis désolé. Ah ouais, je me doutais bien qu'il y en avait un tout à l'heure là-dedans. J'arrive, mon coco. Patate dans les dents. Allez. Oh merde. Je me suis fait tuer. Alors, hop là. Hop là, hop là. Non, je t'ai... Il est où, lui? Oh! Quoi? Mais je suis dessus. Mais je suis Jean-Louis! Oh! Lui, il exagère.
Voilà, allez, dodge fight. Oh, foiré, oh, bien joué. Ah, il a réussi à m'avoir. Oh, l'enculé. Alors ça, c'est vraiment de la technique de fils de pute, hein. Laisse-moi te dire. Ça, t'es un enculé, mon pote. Eh ouais, non, mais ça, c'est dégueulasse. Tiens, oh merde, je crois que j'avais les... Voilà. Merde, reviens. Oh, j'ai un peu de mal, là, pour le... Sur le coup, sur le... l'instant swap. Et merde. Oh, coquin. Je vais reprendre celle-là, parce que là, je patauge un peu dans le... Dans la smoule. Je sais pas d'où elle vient, cette expression, patauger dans la smoule. Genre, sérieusement, il y a un mec qui s'est déjà mis dans un bol de smoule pour voir s'il s'enfonçait. Sans blague. C'est vraiment con. En plus, c'est du gâchis de nourriture. Alors là, je pense que l'autre, il va arriver encore en dessous. Non, putain, mais les mecs, s'il vous plaît, hein. Vous allez pas commencer comme ça, moi, sinon, je vous... Je vous en papa out. Ouais, en papa outé. Outé, papa outé. Merde. Ouais, même au Mexique, elle arrive cette musique, hein, je vous le garantis. Même au Mexique. T'as le droit, papa outé, mon pote. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, je fais un peu de la merde dans la partie. Oh, mais en plus, comment veux-tu? Mais si tu recules, comment veux-tu que je t'embrasse? Ah, j'ai un peu de mal sur les quicks, en plus là, je suis un peu en mode hardscope. Ah oh, putain, il y a du monde. Fils de putain de ta mère, toi! T'es vraiment qu'une merde, hein. Sans blague, ça c'est des techniques de salope, hein. Alors, ne te plains pas, si je t'insulte, tu le mérites. Non, parce qu'il y a des gens, tu les insultes, ils sont là, ouais, mais tu m'as insulté. Bah ouais, mais attends, tu l'as cherché aussi. Je veux dire... Ah, attends, reviens là, monte. Non. Oh, bah, oh, je me fais éclater là. Je suis un boule de joie. Vous vous souvenez de cette petite expression du boule de joie? Merde. Alors là, ça va arriver par là. Attends, bah oui, forcément. Et merde. Ah, oh, putain, des marqueurs de merde. Bon, la connexion est pas au top. Oh putain, je suis sûr qu'il y a l'autre bâtard là en train d'attendre encore sur le point d'extraction là. Ah, je le savais, hein. Ah, je le sais. Ah, regardez-moi ça. Ils ont vraiment des techniques de salaud, hein. Alors, par contre, la connexion est vraiment dégueulasse. Tu le vois quand tu tires sur un mec. Et j'apparais pas tout de suite. C'est que c'est. Ah, putain, il y a un poteau qui me vient. C'est que c'est pas bon généralement. Non, généralement, c'est pas très bon. Qui c'est le premier là? Ah, c'est lui, Code Neos. Oh, bah sympa. Oh, bah. Oh là là, putain, c'est dégueulasse. Ah, j'ai réussi à l'avoir quand même. Alors, c'est bien de me faire réapparaître tout au bout de la map quand elle va exploser. Sympa, les mecs. Non, non, mais je retiens. Bonne petite attention. Oh putain, il faut que le mec il saute. Ah, mais bordel! Bon. Débat dans 3. Benjamin, t'es là? Ouais, je suis là! Benjamin! Mais putain, Benjamin, il y a. Burn. Mais mec, vous avez des pseudos! Burn, vote. Voilà. Il te cherche! La maman du petit Jérémy est attendue à l'accueil! La maman du petit Jérémy! Skyro, c'était une quiche. Ouais. Voilà, bah là, sur le coup, j'étais une quiche. Quiche provençale. Ah, la terrasse, voilà. Terrasse, c'est une map que j'aime bien. Non, mais l'autre, il m'a cassé les couilles, s'il me recasse les couilles. Viens sur PS4. Non! Désolé. C'est la censure émotionnelle, tu sais. Tu vas faire un live à la PS4? Non, bah, je viens de dire non. Ah oui, mais il y a un retard. Comment on gagne de l'XP? En jouant. Skyros, tu acceptes un ami sur Steam? Ah, ouais. Steam? Je sais pas si tu suis beaucoup mes vidéos, mais Steam, c'est pas vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus, hein. Je veux pas non plus te foutre le bouillon, là, mais... l'alcool peut détruire un cerveau. Ah, bah oui, hein. Ça nettoie bien les bijoux, peut-être, je crois, aussi. Non, c'est le coca, ça. FFA trickshotting en live. Ouais, d'accord. Ah, d'accord. Ouais, 2500 pour Skyros pour une première, c'est énorme. Putain, c'est vrai. Hey, vous êtes plus de 2500, là, actuellement, sur live. Les mecs, franchement, c'est un truc de porc. Ouais, franchement, bien. Merci à vous. Tu bois quoi? Là, c'est de l'eau de coco.
Voilà, de l'eau, avec c'est 100% naturel, eau de coco. Ouais, parce qu'ici, les noix de coco, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de noix de coco ici. Et donc, il y a beaucoup d'eau de coco. Moi, j'aime bien l'eau de coco, en plus, c'est bon. Enfin, bah oui, si j'aime bien, c'est chouette. Alors, en plus, ils disent que l'eau de coco, ça hydrate mieux que l'eau. Voilà, c'est de l'eau, mais qui hydrate mieux, puisque c'est de l'eau de coco. Il y a moins de calories que dans une pomme. Tu sais, vous allez faire un peu, genre tu fais un repas, tu sais, tu veux te la péter un peu, genre je m'y connais, tu fais... Vous savez que l'eau de coco, qu'est-ce qui est plus hydratant que l'eau? L'eau de coco, tu savais pas? Oh le blaireau, mon pote. Et en plus, ça a moins de calories qu'une pomme, et d'autant plus de potassium que dans deux bananes. Ça t'embouche un coin. Voilà, donc si vous voulez un peu faire la jouer smart demain au brunch, le brunch du dimanche, bien sûr. Ah bah oui, quand vous allez jouer au golf. Ou avec téléfoot. Voilà, bah, vous regardez téléfoot, bah oui. Par contre, j'aurais dû changer de partie parce que la connexion était un petit peu exécrable. Donc voilà, demain, si vous voulez faire un petit peu, genre, à table, à repas, tu dis, mais attendez, moi, je préférais de l'eau de coco, c'est quand même plus hydratant que de l'eau. Et là, vous dites, voilà, bon, c'est moins de calories qu'une banane. D'une pomme. Oh là là, bordel, mais tu t'en sors pas, Jean-Louis. Alors. Ah, j'ai galéré pour lui, j'ai galéré. Ah, j'ai galéré. Ah, oh, foiré. J'aime bien sur ce jeu, on peut sauter partout. Oh putain, y'a un con. Oh, y'a deux cons. D'accord. Oh, d'accord. Ok. Remonte. Saute. Enfoiré, bah il a compris que je l'attendais. Hein. Mais moi, j'ai ma note technique. Je vais partir par là. Et on va aller là-haut. Attends, lui, je vais lui mettre une patate. Attends, je vais lui scier les dents. Et en vrai, mon pote, tu te fais scier les dents. Ça fait mal. Allez, bouffe. Voilà. Oh là là. Oh, avec deux balles, mon pote. Wouah, Gotaga. Oh putain, et San Pedro, mon pote, là, avec deux balles, je lui ai éclaté les dents. Je crois qu'après, je vais prendre ma petite classe mitraillette, juste histoire de m'amuser un peu. Parce que, franchement, tu vois, autant sur Ghost, merde, j'aimais pas trop la... Oh, bordel. J'aimais pas trop la mitraillette, autant sur Advanced Warfare, je trouve que c'est vraiment kiffant. Et d'autant plus là que la connexion, elle est un peu tirée par les cheveux. J'avais envie de placer cette expression depuis un petit moment. La connexion est tirée par les cheveux. Tu m'as dit, mon pote, c'est vrai ça, c'est pas possible une connexion tirée par les cheveux. C'est une expression qui, elle, est tirée par les cheveux. Allez, 3-6, mon pote. Il est où? Arrête, mais je suis dessus! Mais je suis dessus! Bon, attends, et COD Eneos, mon pote, tu vas goûter ma belle sardine. Voilà, ah, regardez, elle est jolie en plus, l'HBR, mes couilles en diams. C'est pas en diams, c'est royauté. Oh, il m'a bien eu, Esmiedé. Ah ouais, mais c'est l'autre de tout à l'heure, là. C'est lui que j'aimais pas. Donc on le félicite pas, on l'aime pas. Voilà. Ah ouais, désolé, mon pote, hein, t'as perdu l'estime, là. Ils sont où? J'entends des gens monter. Venez là. Attends, je me cache un peu. Viens là. Ouais! Wouhou! Eh, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, j'ai pas rechargé? Eh oui, mais ça, mon pote, ça c'est la technique du crotal. Ah, il m'a eu. Attends, on peut monter là. Et lui, mon pote, c'est vraiment une vieille raclure de merde, tu sais. Oh là là, putain, et en plus, ça galère un peu à taper, hein. Tu sais, le mec, tu vois les vieilles traces de pneus qu'il y a au fond de chiottes, tu vois. Et bah, il y aurait son visage dedans, il paraîtrait, effectivement. Je veux pas non plus, tu vois, mais il paraîtrait. Oh, et ça tombe pas, mon pote, hein. Alors, attends, je vais te slasher les dents, mon pote. Moi, j'aime bien slasher les dents. Et hop là! Ah tiens, t'as la Insanity, c'est quoi ça la Insanity? On va la tester. On va surtout attendre voir là. Je crois que je suis sur écoute téléphonique, hein. Comment le mec il sait que je suis là? Oh merde! Oh mais putain, j'avais oublié! Oh le con! Oh Jean-Louis! Bon après je change d'accueil. Hein. Effectivement la première partie s'était quand même plutôt bien passée. J'étais assez content.
Mais par la suite, c'est... Regardez-moi ça. Je tire dessus quand même. Ça a mis un peu de temps, hein. Il y a du retard. Je vais pas faire mon connecto, mais il y a du retard. Et c'est vrai que... Et j'ai observé, il y a des fois, tu vois, autant ça va super bien au niveau déco, mais il y a quand même un vieux truc qui se passe, c'est que je tombe... Je tombe sur pas mal de d'accueils européens, et donc, pour tomber sur des accueils européens, automatiquement, c'est qu'il y a un problème. Dans un sens comme de l'autre, il y a un mec qui a un problème de co, tu vois. Voilà, celui-là, il a fait plaisir, ce petit double kill. Ah, il s'est couché! Oh le salaud! Alors attends. Ah, je savais qu'il allait arriver. Coquin là, coquin. Renard! Chenapan! Sacré couille, sacré coquin! Renard! Merde! Oh bah tu m'as oublié! C'est moi que v'là! Ah, et bah décidément! Bah écoutez, ils ont l'air un petit peu par là, les mecs. Donc, Ouh, la grenade. Bah ouais, mais ça, la grenade, j'ai pas trop aimé, hein. T'as tes techniques de grenade, tu te les gardes, hein, s'il te plaît. Allez, on va essayer de gagner la partie, quand même. Parce que c'est un peu le but. On va recharger. Je l'ai vu au loin, mais je sens qu'avec la connexion que j'ai, j'arrive... Oh merde! Oh le con! Oh, il est sorti d'entre les morts! Oula, attends, t'es où? Ouais, on bouge partout, on le rend fou. Ah! Putain, ça c'est la bonne technique. Tu sais pas où il est, tu bouges partout. Tu dis bon, avec un coup de chance. Et putain, et ça a du mal hein, à taper un peu là. Putain, je t'ai bien niqué hein. D'où il sort? Alors lui s'est fait tuer. Oh putain, il est... Pourtant j'ai le double hit marqueur, ça veut dire que je vais tirer sa gueule, hein. Enculé avec tes grenades. Et voilà, j'ai survécu. Voilà, t'es dégoûté. Oh merde. D'où... Attends, mais il est mort d'où lui? Oh bah là, mais il était où? Oh le gamin. Alors attends, ah oui. Merde. Qu'est-ce qui t'arrive, moi? Je suis en mode qu'est-ce qui t'arrive? Merde, putain, alors là, j'étais cuit comme un jambon de Bayonne, hein. J'en ai eu qu'un. Voilà, attendez. Oh, la glissade, elle était belle, ta glissade, toi, hein. Regardez, hop, là. Ils sont où? Viens là, 1, 2, 3... Oh, bâtard. Ah. Oh le mec il s'est fait sécher. Putain. Je veux la gagner. Y'a pas de pitié pour les croissants mon pote, je perds pas. Allez vite, je la gagne. T'es où? Petit bâtard. Ah il est là. Ah il est là! Ah il est là! Ah! Ah non! Oh non! Ah putain de bâtard! Ah le fils de... En plus on était sur le même! Oh là là! Ah, on se... ah non même pas! Bon bah dommage! Dommage! Bon! Eh ben écoutez, on va continuer le live, je vais pas arrêter, vous inquiétez pas, je vais juste faire une petite pause de 2 minutes, je vais quitter l'accueil parce que l'accueil était pas terrible au niveau de la connexion en tout cas, hein, voilà, donc je le quitte, mais c'est dommage parce qu'il y a la map d'MC. Oh, ça va, tu l'as fait une fois, je peux même pas quitter d'ailleurs, ah voilà, je peux quitter. Donc je vais quitter l'accueil, je vais faire un petit truc personnel et je reviens. Oui, on est nul. Oh putain, ouais, c'est vrai que là, j'étais pas bon. Voilà, tout simplement. Je pense que tu joues pas au silencieux avec l'HBR. Non. J'aime bien quand les ennemis viennent vers moi.
Sinon, je me sens seul. Donc, je vais faire une petite pause de 2 secondes. Hein, je reviens. Et à 2 secondes, tu l'avais. Ouais, je sais. C'est que la connexion n'était pas au top. Hein, mais sinon, je l'aurais eu. Voilà. C'est la faute de la connexion. C'est pas ma faute. Ouais, j'ai... Oh, merde. Ah, le petit chien, il est là. Il est là, le petit chien. Elle est là, la petite. Voilà. Ça se voit, de vrai ? Oui, ça se voit, là. Regarde, là, on voit bien en temps réel. Voilà. C'est ma petite femme. Elle se cache. Donc là, on entend le Queen Queen. Forcément, c'est mon chien, il est content. Et Queen Queen, c'est son jouet qu'il adore. Et bah, il y a le gros et le petit. Voilà, donc vous avez. C'était pas prévu, mais vous avez un petit meeting avec ma petite famille. Voilà, bah, arrête de te cacher, enfin. Donc, je reviens dans 2 secondes. Restez là, hein, c'est pas long. Hein, il y a moins d'une minute, promis. Et à tout de suite. Donc, pour la deuxième partie du live. Ouais! C'était dégoûtant. c'est quand que tu viens en Suisse? Waouh, je suis jamais allé en Suisse d'ailleurs, donc ça va pas être bientôt, voilà, tout simplement. Tu peux ralentir le chat? Mais comment je fais pour ralentir le chat? C'est bon, tout fonctionne bien. Bon, allez, c'est parti. Oh bah, oh bah c'est con. Ah, le mec a pas de chance. Ah bah j'ai reçu un supply drop, tiens c'est bien. Il est où lui? Ah il est parti par la porte. Il y a un mec qui m'a acheté sa grenade au cas. Il est où lui? Allez. Oh salaud. Allez, coup de boule dans la vitre. Ouh attends, il y a la collate. Ah merde. Merde, putain, j'étais presque. Bon. Attends, on va partir par là. Ah, bien joué. Bon, on va essayer de se concentrer un petit peu. C'est vrai que bah, sur les parties d'avant, à part la première, j'ai un petit peu déconné. Mais c'est pas toujours évident de bien arriver... t'as un peu la pression, tu dis putain, y a des gens qui te regardent et tout, il faut pas que tu déconnes. C'est ça un peu la pression quoi. Attends. Merde. Ah putain, bah forcément tu restes trop dans un coin, c'est l'erreur à faire. À pas faire justement. Automatiquement tu viens de faire chercher, et bah là j'ai un petit peu déconné sur le coup. Allez, j'aime bien le couteau, je trouve qu'il est vraiment très stylé. Je crois que j'ai vu un mec là. Ouais, bingo. Viens là. Ouais, je pense que ça va être chaud. Et bah, hitmarker. Bah oui, bien sûr. Pourquoi pas. Ça fait plaisir. Et j'étais quand même bien parti dans la game, et là, j'ai pris un petit retard. Merde, j'ai tiré. Fallait pas que je tire, il va me repérer. Voilà. Alors, tiens, on va prendre son IMR, voir ce que ça donne. On va recharger l'IMR, hop. Putain, et ça le serpillère. Le mec il s'était mis allongé, tu sais. J'ai entendu du bruit. Le mieux, c'est de marcher en bas et t'arrives comme ça mode surprise. Surprise, motherfucker! Merde, c'est moi qui me suis fait surprendre d'ailleurs. Bon allez, un peu de concentration quand même. Ce serait pas mal. J'en vois un là, non? Non, je vois rien. Là-haut. Ah là, il est là. Où va-t-il? Il va monter. Et... Oh merde! Moi, je suis tombé. Ça, c'est con. Bon, on va passer par là, du coup. Tiens. Et voilà. J'aime bien. Ça, c'est... Franchement, je trouve que dans ce jeu-là... le dynamisme est vraiment magnifique, quoi. Je veux dire, tu peux t'amuser à sauter partout, à aller chercher les ennemis. C'est alors effectivement, c'est pas vraiment, on va dire, dans le sens brut de Call of, mais c'est tellement dynamique, ça fait tellement plaisir de. Bah, tu te fais pas chier, quoi. Tu joues, tu peux pas t'endormir, quoi. Enfin, tu peux dans l'absolu, hein, bien sûr, mais. Il
Marqueur de merde. Attends, on va prendre sa petite balle. Il y en a un dessus. J'ai pas trop aimé là. Non, c'est pas terrible. Il est où lui? T'es sérieux le hitmarker quand même hein? Mais c'est de la merde! C'est de la merde! Putain. Ils l'ont toujours pas patché hein, cette putain de balle 27 quand même. Merde, merde, putain. Voilà. Alors là, j'aurais fait un hitmarker. Et le premier, il a une sacrée avance, hein. Bon, je sais que je me souviens, je suis arrivé en cours de jeu, mais je me souviens plus quelle avance il avait, le mec. Et je crois pas. J'assure un peu le tir, hein, parce que là, je fais quand même pas mal d'hitmarkers. Oh, bien. Putain, mais et cette balle 27, la précision qu'elle a, c'est un truc de malade mental. Attends, il y en a un là. Je crois qu'il va m'attendre. Regarde, attends, on va essayer de la faire à l'envers. Ça va. C'est un truc de ouf, mon pote, hein. C'est vraiment un truc de malade, hein. Bah, mais putain, mais... Ce qui me sidère, tu vois, c'est que... C'est pas pour me vanter ou quoi, mais généralement, toutes les parties, je finis premier, quoi. Et là, ça me trouve le fion, quoi. Ce snipe, une usine à hit. Ouais, bah, le mode cinéma est trop cool. Ouais, effectivement, si vous regardez le live, mettez le mode cinéma, vous allez voir que ça sera beaucoup plus agréable pour regarder. Est-ce qu'il y a un décalage entre l'image et le son? Attendez, merde, attends, j'ai la caisse, qu'est-ce qu'il y a dedans? Suspect! Oh putain, il m'a niqué, mon suspect! Oh merde, le bâtard! C'est vrai, quand t'as la caisse, t'es toujours comme... J'ai une caisse, t'es, franchement, tu sais, même si tu sais que t'as de la merde dedans, tu peux pas t'empêcher d'être content d'avoir la caisse. C'est un truc, c'est normal, c'est une réaction normale. T'es content d'avoir la putain de caisse. Putain, j'ai une caisse! Et l'ascenseur émotionnel est vraiment violent sur les caisses. Souvent. Alors, quand tu vois une paire de genouillères... Une paire de genouillères, mon pote. Sans blague. Oh putain, j'ai gagné des genouillères, quoi. C'est pas mal, les steaks. C'est parti. Alors, tiens, on va la jouer à la mire. Oh putain. La mire sur Advanced Warfare, c'est pas du tout la mire de Black Ops 2. C'est vraiment plus difficile. Mais gratifiant, bien évidemment. Gratifiant, je dirais, puisque c'est la mire. Bon, le mec, il a décidé de jouer à cache-cache. Sans moi, mon pote, hein. Sans moi. Without me, sin me. Attends. Allez, voilà, hitmarker. Ça va commencer à me courir sur le haricot. Toto. J'aimerais bien qu'ils mettent l'hôte de la partie. Putain, et quand t'es l'hôte de la partie, mon pote, c'est... C'est un film de boule. Vraiment, c'est le film de cul, quoi. Quand tu joues, c'est... Ça glisse, quoi. T'as l'impression de... Ah, il était pas mort, lui. Tiens. Revenez là, les gens. Ah, merde. Attends, j'ai entendu un mec là sur la gauche. Non, bon, j'ai rêvé, alors. Ah, tire sur les cadavres, toi, t'as raison. Au moins, tu donnes ta position. Allez, encore un. Viens là. Enculé, il s'est barré. Ah, l'enfoiré. Merde, viens là. Non. Putain, oh là là. Oh, le lag! Ça va, ça lag pas trop, hein. Ça va!
Ouais, ah bah, enfin, c'était le moment, dis donc. Ouais, malheureusement pour la quad feed, le mec s'est barré. Bon, j'aurais peut-être dû aller ailleurs, mais comme je l'ai vu, généralement les gens restent sur le toit, tu sais. Non, lui a décidé de partir. Bon. Hey, y a un mec là. Attends, j'étais mort. Mais comment ça, j'étais mort? Mais il se fout de ma gueule, l'autre. Il s'est foutu de ma gueule. Il m'a pris pour un jambon. Oh l'enfoiré. Et il m'a fait mourir comme ça. Pire que la mourue. Viens là. Là, la connexion a l'air pas mal, hein. Attends, je t'ai vu, l'homme invisible. Tiens, casse-toi, pédale. Oh, merde! Alors, par contre, la mire, il faut vraiment ajuster. Parce que... Bon, tu peux quickscope, bien évidemment, à la mire, comme avec chaque snipe, de toute façon. Alors, attends. Voilà, j'ai réussi à l'avoir. Parce que le truc, c'est que elle est pas fixe. Il y a une espèce de petite oscillation. Donc, c'est pas toujours simple d'arriver à avoir la bonne précision, en fait, en jouant avec la mire. Mais, comme tout ce qui est difficile, quand il arrive, c'est gratifiant. Allez, un quatrième. Allez, la quad feed. Ah non, putain. Bon. Ah, j'aurais pu avoir la 50 screen, bordel. Bon, il y a eu un coup de poing dedans, mais c'est à cause du hitmarker. Et tu vois, encore une fois, tu dis t'as pas d'hitmarker. Oh l'enfoiré avec sa santé en plus. Oh putain. T'as pas d'hitmarker, je veux dire, tu fais la 5OS là. Et le hitmarker qui gâche tout, en fait, c'est ça. Bon, bah ça va un peu mieux, tu vois, la co s'améliore, ça va un peu mieux, c'est ça, je vous l'ai dit. De toute façon, c'est Call of, on le sait, c'est Call of, c'est une histoire de co. C'est pas un secret, viens là, toi. R2. Merde. Voilà, attends, je t'ai vu, sur le tutu, chapeau pointu, poil au cul, hitmarker. Mais d'où il... Attends, il y a du cadavre là. Il est où le serial killer? Ah putain. Allez, vite que j'ai un petit peu d'avance, que je puisse tenter un trick shoot. Ouh, attendez. Oh bon, merde, quel con. Eh l'enculé, il me jette des grenades, hein. Et merde. Ah, oh, ce headshot, mon pote. T'as bouffé, toi, hein. Quoi? Voilà. Ah, dommage. Le mec... Putain, et c'est... Enfin, je comprends rien à la moitié des choses qui se passent là. Le mec, il a une espèce de grosse mitraillette là. Vas-y, avance dans le couloir. Voilà. Ah, ils apportent la cage au folle. Y'a pas le mec qui campe depuis tout à l'heure là-dedans, non? Merde, oh le con, je me suis fait repérer. Il est où l'autre là? Alors attends, il y a l'autre qui essaye de me brûler avec son laser là. Ah merde. Ah, quand tu te concentres sur un, t'as du mal à voir. Ah, par contre, c'est chiant, tu vois, quand tu veux juste sauter un petit obstacle, tu peux pas faire genre un demi-saut, tu vois, t'as toujours un putain. Ah, le mec. Ah, il lag, ce bâtard. T'as toujours un grand saut, et donc du coup, bah, tu sautes, t'as l'impression de toujours sauter sur les murs. Et c'est vrai que c'est le côté un petit peu chiant. La balle a traversé son corps. C'est l'homme gruyère. Oh putain, c'est serré là, le mec, c'est qu'il a repris du poil de la bête, la chaussure là. Oh le fils de pute. Ah, ça c'est bien une technique de sale bâtard, ça. Hein. Pardon pour les insultes, mais regarde, sale merde, va. Pauvre crevard de merde, hein. Tout pour faire des kills faciles. Oh mon dieu.
La victoire est en nous. Ah bordel! Je galère là, putain! Voilà, toi t'es mort. Voilà. Allez vite, le dernier pour la killcam. Ah non! We are the champions, my friends. Ne t'excuse pas, on l'a tous insulté. Ah ben voilà, je suis pas le seul. Bienvenue au club des insultes gratuites. Eh, on dit pas le tout ce qui est gratuit est bon à prendre. Une insulte gratuite est bonne à prendre. Eh oui, effectivement. Alors attention, il peut vous insulter gratuitement derrière. Ah ouais, bah c'est le risque. Mais les insultes, les petits-enfants vont traiter sans pression après ça. Ouais. Alors, laissez-moi 20 000. Eh, alors, et j'ai gagné quoi dans le colis, au fait, là? Oh, l'arnaque. Oh, je me suis fait enculer. Pardon. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je sais pas. Alors, je vais vous montrer, tiens, tant qu'on a 2 minutes, montrer un peu les cochonneries que j'ai. Voilà, bon bah j'ai des pantalons, ils sont cool mes pantalons. Ah, j'ai un bandana, tiens, je vais le revendre parce que je m'en bats les couilles. Je m'appelle pas Rambo non plus. Et celui-là, c'est celui que j'ai, il est sympa. Sympa aussi, celui-là, je sais pas comment tu le gagnes, mais bon, tu dois le gagner quand même d'une façon ou d'une autre. Ça, je m'en bats les couilles, tiens, c'était tout ça que j'ai gagné. J'essaie de revendre toutes les cochonneries que je m'en fous en fait. Enfin, une genouillère quoi. Donne-moi une arme, une genouillère, je m'en fous. Ah, il est sympa, mais je le mettrai pas, mais bon, on verra. Ouais, alors il dit, les insultes, les enfants vont traiter sans pression. Effectivement. Alors, il y a deux réponses à ça. Déjà, on n'insulte pas les gens qui sont plus grands que nous, sous peine de se prendre une grosse gifle. Et à ce moment-là, ça nous remet en place. Donc, je pense que la petite réponse à ça, c'est ça, la gifle. Moi, je trouve qu'une gifle, c'est beaucoup plus humiliant qu'une patate. Tu vois, tu mets une patate, mais tu gifles un mec, tu mets même un revers, tu le gifles, t'entends le clac comme ça, c'est je t'ai humilié. Tu vois, une gifle, c'est beaucoup plus humiliant, tu vois. Donc, déjà, ça est bien vu, Globododobi, COD, c'est pour les plus 18. Alors, plus 18, oui, voilà, regardez, hey. Plus 18, c'est écrit là. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Donc, logiquement, à 18 ans, on les connaît déjà, toutes les insultes. Hein, maintenant, plus ça va, plus jeune, on les connaît, d'ailleurs. Donc, je pense que les gens n'attendent pas après moi avant de dire les insultes. Je pense pas qu'ils apprennent les insultes sur mes lives. S'ils veulent les utiliser, je pense qu'ils n'attendent pas que je dise une insulte pour dire « Oh, Skyros, il a dit, j'ai le droit de l'insulter. » Mais bon, je comprends ton point de vue, effectivement. Allez, opération coup de poing, mon pote. Opération coup de poing. Ah, merde. Merde. Alors, attendez. Zut. Fichtre. Je me suis fait... tuer. T'essayes un petit peu de garder un peu le côté un peu pas d'insulte. Et bah, les hitmarkers, ça fait plaisir. Ouais. Est-ce qu'il est encore là, l'autre, là? L'autre petit morpion à quatre pattes. Eh bah oui. Eh bah oui, il aime bien son petit endroit, hein. Il a trouvé, il a mis son oreiller, tranquille, il est là. Bon, écoutez, moi je vais mettre sur mon petit spot que j'aime bien. Voilà. Eh merde, eh mais il me casse les couilles, lui. Oh, dommage, dommage, dommage! Ah, merde. Faut que je te tire sur le mec qui meurt. Hein. Ah, j'ai choisi le mauvais cheval. Ah, le mauvais poulain, tu vois. J'ai eu confiance en lui, espèce de merde, tu m'as déçu.
Quoi? Ah, faut savoir, tu sautes ou tu... Merde, merde, oh là là. Oh le monde. Oh Jean-Louis. Comment j'ai pu le louper? Ah voilà, je me le fais voler derrière ça, c'est vraiment ignoble. Attends, il... Il a un triple saut le van. Oh là là. Ça se passe pas du tout comme prévu. Parce que normalement ça devrait se passer un peu mieux que ça. Et j'ai tiré dessus, mais. Ah bah voilà, forcément l'autre. Et l'autre il se démerde bien. Eh, c'est même pas celui que je pensais qui est premier, dis donc. Bon bah écoutez. Oh mais. Pff, allez, allez, un peu de concentration, Gilbert. Ah, y a toujours un mec dans un coin avec une petite mitraillette là. C'est pénible. Hein. Regardez l'autre là-haut. Oh. N'importe quoi ce qui se passe. Hein. N'importe nawak. Hein. Mais je suis dessus, bordel! Non! J'étais presque. Oh, ça m'a piqué les yeux là. J'ai l'impression que le laser il a traversé la télé, bordel. Oh là là, le shoot de merde. Le shoot de merde. Avec crève. Bah, forcément, hein, c'était ma gueule. Hein. Ah bah oui, ça. Je crois que la balle a traversé. Est passée entre ses jambes. J'ai entendu un mec là. Putain de bâtard. Hey, ah la balle 27, allez hop. On va ramasser la balle 27, on la recharge. Et regardez ce qu'on va faire. Un petit balle 27-âge. T'es où toi? Oh la vache, ça tombe bien là. Ah la balle 27 mon pote. Oh l'enfoiré, bien joué, bien joué. Ah il a là sa grosse... Et en fait c'est parce que ça tu peux avoir la... Merde, viens là, viens là. Merde, attends, tant pis, je lâche l'affaire. Viens là, viens là. Putain, il faut qu'il saute à chaque fois, les gens. Les mecs, mais calmez-vous. Ah, il a le docteur, le bâtard, je l'ai pas, moi, le docteur. Le docteur est une variante du morse, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et je l'ai pas. Bah, ouais, d'accord. J'ai voulu prendre cette petite mitraillette qui est franchement fort sympathique. En tout cas, moi, c'est une que j'apprécie beaucoup dans le jeu. Et combien même, c'est vrai que les mitraillettes, enfin les petites mitrailleuses dans le jeu, sont pas. Oh merde, bah ouais, là c'était un peu de ma faute. Elles sont pas vraiment mises à l'honneur, contrairement aux fusils d'assaut. Bon, vous allez me dire que. Putain, ça c'est des hitmarkers qui foutent les nerfs. J'ai réussi à m'en sortir in extremis, hein. Oh la vache. Oh la vache. Oh, j'ai réussi à m'en sortir là, je sais pas comment. Mais j'ai réussi. Oh putain, ça c'est des actions comme ça qui font plaisir. Y'a pas de feed, mais... Arrête, je vais tirer dessus. Putain, bordel, il me l'a volé. Il y en a un autre là. Oh, arrête! Ça aurait été magnifique en killcam. Allez, boum! Qu'est-ce qui t'arrive là? Ah, et oh, c'est kill papa là. Bon. Voilà. Bon, je suis content. Allez. Oh, le mec là. Dans le cul. Il faut le calmer, Sky, il est trop chaud pour eux.
J'ai eu le docteur, mais revendu. Oh, putain, tu fais mal au cœur, mec. Donc, sinon, comment ça va? Hein? Voilà, un petit peu d'XP. 25 000, vous avez vu? Bon, il y a le double XP en même temps. Il reste... Comment ça, il marque 20 minutes de double XP? Ah, j'ai le 4 XP, ma gueule! J'ai dit ma gueule, je suis pas dans la cité là, qu'est-ce qui t'arrive toi? Ressaisis-toi. 4 XP, j'ai le quadruple XP, c'est-à-dire que j'ai gagné un double XP et en plus du double XP, ça fait quadruple XP. Eh, décidément, le prestige il va passer super vite. Hein. Oh, y'a vache! Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis à court. Ouais, 4 XP. T'es pas ma gueule. Ah, hate. Ok, LM. Ouh, si, ça fait zizir. Prestige 11 en live, ouais. Bon, bah écoutez. Alors, voyons voir, disait l'aveugle. Quand tu feras une vidéo sur MW2? Quand j'aurai envie de vraiment péter un plomb sérieusement. C'est vrai qu'avec Advanced Warfare, je m'énerve beaucoup moins que sur les autres Call of Duty. C'est bon signe, quelque part, ça veut dire que je m'amuse. Même si m'énerver m'amuse aussi. Et oui, effectivement, vous pouvez me croire un peu masochiste, mais m'énerver m'amuse. Mais je pense que, de toute façon, je vais rester exclusivement sur Advanced Warfare jusqu'à l'année prochaine, en tout cas. Ça, c'est quasiment une certitude. Parce que, bon, c'est vrai que c'est un jeu qui demande beaucoup d'habitude au niveau des déplacements. Pour arriver à obtenir une certaine performance, il faut vraiment y jouer pour s'habituer. Et j'ai peur que si je retourne sur les anciens Call of, le fossé soit trop grand pour que je puisse arriver à garder un certain niveau et pour justement pas m'énerver parce que voilà, malheureusement j'ai pas un niveau de malade et donc du coup dès que... Mais tu vas... T'as fini de m'en... Mais ce qu'a gagné là? Mais qu'est-ce qu'il saute devant moi là comme ça? C'est de la provoque ça. Oh, alors là, l'ACO mon pote, elle est ignoble. Oh la vache, on dirait le cheval de Troie quoi. Je vois pas le rapport avec le cheval de Troie mais bon. Eh, l'ACO est ignoble. Tu vois, autant les co se suivent, mais ce ne se ressemble pas. Et à chaque fois, c'est sur cette magnifique map recovery que j'adore. J'arrive... J'ai vu un mec. Voilà. Merde. Oh, je suis... Ah, mais... Jette ma croix de données à l'ennemi. Alors là, la petite migration d'hôtes serait le bienvenu. Je vais envoyer tout de suite un tweet à Activision pour qu'ils fassent une migration d'hôtes dans ma partie. Hein. Ah là, ça, je ne peux pas supporter des insultes comme ça. Allez, je slash. J'aime bien... Je trouve le couteau tellement stylé. Seul problème, c'est que bah, je suis pas un mec qui joue au couteau, donc... j'ai pas du tout de stratégie, automatiquement je me fais un petit peu enculer la gueule. Ce qui, je vous garantis que c'est pas forcément très bon. Bon, on va prendre la petite balle 27. On va essayer de faire quelques petites élimes avec. J'en ai vu un là-haut. Ah bah, quand t'as pas la coup, c'est autre chose, hein. Allez, boum, tiens, dégage de là, merci, cordialement. Ah, oh, enfoiré. Putain, tu vois le 4 XP en dessous, là, mon pote, ça fait trop plaisir. T'imagines, tu regardes un double XP encore dans un colis, ça fait quoi? Ça fait du 6 XP? Il est où, lui? Billy. Merde. Je sais pas qui c'est le premier, mais il est chaud de la bite, mon pote, hein. Bon, après ça, je change d'accueil, quand même. Hein. Enfoiré! Je vais te mettre une patate, sale...
Kojak! Tu vois la barre des feats, mon pote, c'est 100% balle 27. Ah non, il y a un mec au snipe quand même, putain. Bah disons, tu fais partie des rares. J'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé. Regardez, je me vois même tomber. C'est, si c'est pas beau. Tu vois que de la balle 27. Les mecs, ils ont vraiment, je veux dire... un mec qui joue à la balle 27 et qui se croit fort. Ce mec-là, j'ai envie de lui rire au nez, tu sais. Mec, arrête. Tu dis arrête, tu fais pitié, quoi. Oh, mais c'est ça qui est chiant, tu vois, c'est que... Les mecs... Il n'y a qu'une arme, tu vois, t'en as 37 dans le jeu, je crois, un truc dans le genre. Et les gens en prennent qu'une, quoi. Je trouve que c'est un peu triste. Et je fais mon mieux, hein. Franchement, là, je trouve que je me débrouille pas trop mal, vu la connexion. Il n'y avait rien à faire, là. Il n'y avait rien à faire. Change de mode pour faire découvrir un peu. Et classe Saint-Tienne, on va changer de mode, hein. Ah, il a pris le sniper. Ah, espèce de grosse merde, tu sais même pas assumer un kill au snipe que t'es obligé de prendre ton arme de fils de pute. Pardon. Ah, je suis vraiment désolé, là. Mais les mecs comme ça qui jouent leur vie, qui jouent à la balle 27, genre je suis trop balèze, alors que c'est trop facile, et qui derrière ils prennent le snipe pour faire un kill, excuse-moi, t'as une petite bite. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je l'ai dit, voilà, je l'ai dit, j'assume, c'est moi qui l'ai dit, j'assume. Ok, je change de mode de jeu, même s'il y a la map de MC, encore une fois, je ne pourrais pas la faire, je ne peux pas quitter, si je peux quitter, enfin. Oui, sur... Alors, tu joues quand Destiny, bientôt, parce qu'il y a bientôt un DLC de Destiny qui va sortir la semaine prochaine, dans 2 semaines, je crois. Et donc, à ce moment-là, il y aura le DLC, attention, et il y aura... Alors, il y aura une vidéo sur le DLC de Destiny en exclusivité. J'aurai le droit de tester le DLC de Destiny avant sa sortie officielle. Donc, bien évidemment, je vous le proposerai. Hein, c'est prévu. Alors, je vais changer de mode de jeu. Dites-moi le mode de jeu que je vais mettre. Alors, domination, généralement, c'est un mode de joue ma vie. Donc, ça m'intéresse pas. Je vais lancer un peu de match à mort, même si je sens que ça va camper. Excuse-moi, Iron OZ. mon blast, ça s'écrit pas comme ça. Donc, plus jamais tu fais cette erreur-là. Plus jamais. Regarde-moi bien dans la caméra. Plus jamais. Atlas Gorge. J'ai jamais joué sur Atlas Gorge. Tiens, je ferai. Allez, laser... Bah, la laser est pas sur Xbox One, ça va encore. Mais c'est sur les autres consoles où ça, des fois, ça couillote un peu, quoi. Ah bah tiens, bah je l'ai fait la map du MC finalement, on y arrive. Oh bah là... Alors le mec il me demande si samedi du BO2 après, je pense que le mec il coûte pas du tout ce que j'ai raconté. Mais le son. c'est un peu embarrassant quoi, parce que je viens de l'expliquer, donc je me sens un peu bête quoi, de dire que... Voilà quoi. Tu regarderas la rediffusion pour comprendre. Merci. Ah, c'est parti. Team Deathmatch. Allez, on va tous les enculer. S'il vous plaît, pas de gros mots, ça me gêne. Oh là là, elle aurait pu passer celle-là. Oh, et par contre, ils sont où mes alliés là? Les mecs, ils sont déjà partis. Ils sont tous partis de l'autre côté. Oh, les lâcheurs, les mecs. Ah, ils m'ont laissé seul tout. Seul tout, ouais, je parle en verlan, qu'est-ce qui se passe? Attends, j'envoie un là. Oh là là, et c'est quoi cette connexion là? Oh. Effectivement, c'était une bonne. Le mec il a dû me mettre sur un accueil de Tombouctou parce que là je comprends pas. Hein. Et j'habite assez loin de Tombouctou en plus donc. C'est ça qui est pas terrible, quoi. Mais bordel de merde, ça va prendre! Oh. Allez, je vais pas m'énerver, mais ça m'énerve. Ah bah enfin. Oh. Coquille d'huître, quoi. C'est pas terrible, hein.
Je le savais en plus en lançant match à mort que ça allait puer le caca. Et je me plains qu'il y a une odeur de merde. C'était couru d'avance. Tu vois, autant sur BO2 j'adorais le match à mort, autant sur Advanced Warfare le match à mort il est rincé. Hein. Il est rincé. Bon allez, écoutez, on va pas se faire chier. On va quitter ça et on va aller sur la map Gorge, justement. Tu vois, il m'a donné envie, ça me tracasse un peu la tête. Connexion de plot. Bah ouais, ça, aucune co. Je suis un petit peu désolé, mais je pense que c'est pas vraiment d'être mauvaise foi, mais ça se voit quand même. Hein, enfin, bordel. Bonus playlist, Atlas Gorge. Allons voir ce que ça donne. Rage pas Skyrose. Oh, mais ça, mais je rage toujours, moi, vous savez. Hein, c'est pour ça qu'on m'aime bien, hein. Parce que je rage un peu. Va trouver des parties d'ailleurs sur cette map là. Un petit ghost, d'accord. Le mec il s'est perdu dans les commentaires. Il s'est perdu dans le chat. Le mec il parle de ghost. les mecs, qu'est-ce qui se passe? Y a personne. Voilà, pas trouvé, pas de partie trouvée. Super, ça fait plaisir. Alors, généralement, ça me fait ça. Des fois, ça me trouve des accueils bidons ou ça me donne des accueils vraiment en Europe. Ce que je fais pour quand ça me fait ça, je débranche la console, je la rallume pour réinitialiser le truc. Donc, bon. Tiens, je vais lancer la guerre territoire. Allez, hop, j'ai jamais fait. Skyros joue un peu à l'arme. Skyros joue un peu à l'arme. Tu bégayes? Il a lu 3 de mes coms. Ah, le quatrième! Oh! Bah... Ah, il s'est trompé de stream, celui qui parle de Ghost. Oh, le mec, il s'est perdu. Tu vois, tranquille, le mec, il était là... Ouais, je sais pas. Alors, il y en a un qui arrête pas de demander un contre 1 contre Wartek. Lui, c'est pas, il est perché. Hein. Ouais, et... Ouais, bon. Merci. Merci, Over... Alors voyons voir un peu ce que ça donne la guerre de territoire. Alors je suis en train de me dire que peut-être que j'ai fait une mauvaise décision vu que j'avais des sales connexions en 6 contre 6, 9 contre 9, je pousse la vis. Oh, ça a l'air d'aller. Alors attendez, parce que là je me mets un peu. Voilà, headshot. Attendez, il y en a un autre qui arrive. Je me tire plus dessus. Oh, mais gamin, mais arrête. Tu vois, t'as même pas tué au bout de 2 secondes, t'arrêtes. Voilà, tu t'as perdu ton opportunité. Alors attendez, je vais essayer de voir là. Le spot peut être pas mal. Ah, dommage. Alors là par contre pour faire de la fine en guerre de territoire, j'ai l'impression que tu vas être broc, mais violemment. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est comme une intuition qui me dit. Oh voilà, là là. Bon, tu peux faire des petits enchaînements sympas, c'est bien. Les mecs, ils essayent de prendre B, ils ont pas compris qu'on est trop fort pour eux. Une espèce de tocard. Oh là, le monde là-haut. Il est où l'autre? Allez, on va prendre la balle 27. On avait pris la balle 27, voilà. Allez, quelle heure il est? 6h22, prise de la balle 27, 6h22 et 10 secondes, on a posé la balle 27. Tiens, je vais prendre, je vais suivre le conseil de Coco Larico, je vais prendre une arme, tiens, pour voir un peu ce que ça donne. Ouh, bah attends, ils ont... Mais pousse-toi! Ah, merde, oh là là, quel con de merde! Alors attendez, parce que là je sens qu'il y a des gens qui vont arriver. Je vais attendre, je vais camper. Non, je rigole, je déteste camper. Hey, secure! Losing Bravo! We lost Bravo! Enemy has Bravo! Enemy has Bravo! Securing B! Prenez un vecteur! Ça va être la mi-temps. Bon bah voilà. Qui dit mi-temps dit Ankain, hein, si je peux me permettre. Tu pourrais changer un peu du snipe genre Atlas. Oh, je joue rarement à l'Atlas, mais je suis pas très fan de l'Atlas. Petit pré-shoot. Je savais pas qu'il y avait un pré-shoot sur ce jeu-là, mais on va le tenter.
Domination. Domination. Tu, on va prendre l'Atlas, allez hop. Capture and defend the flags. Securing A. A, secure. Allez, on s'allonge et on attend. Voilà, c'est la bonne technique à la place. Ouais, j'en ai vu un passer. Oh merde. Oh le con. Putain, je l'ai échappé à une extrémiste. Oh là, mais arrêtez les mecs. Oh. Voilà, tu balances toutes tes grenades, tu te préoccupes pas de l'objectif, boum, tu le perds, voilà. C'est ce qui s'appelle une merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh, le headshot que je lui ai mis! Oh, oh! Qu'est-ce qui t'arrive, Goliath, mon pote, là? Allez, hop, allez, no scope, allez, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai niqué un pigeon comme 5 fois. Il est où, lui? J'aime pas le viseur, en fait, de l'Atlas. Je le trouve moche. Securing B. Bah dommage. Enemy care package incoming. Securing Bravo. Crève. Crève. Tiens, je vais prendre un Mal 27. Enemy tram above. Enemy tram. Our UAV is online. Alors attendez. Enemy XS1 Vulcan inbound. Take cover. Il est où? Losing Bravo. Il est où? We lost B. Enemy has Bravo. Enemy UAV above. Oh là là, la balle 27, mon pote. Ça, c'est de l'arme difficile à utiliser, hein. C'est de l'arme, il faut du mérite, mon pote. Bon bah un peu quand même parce que bon c'était un peu mauvais là. Ouais je me retrouve là. Bon bah écoutez. Securing C. Losing Alpha. Je sais pas. Enemy taking Alpha. C'était un petit peu fortune. C, secure. Allez, hop. Enemy taking Charlie. Bon bah écoutez, c'est sympa, merci de m'avoir mis sur le point C, on a pris tous les drapeaux, ils le reprennent. Bon, c'est pas grave, derrière ça leur met une petite avance. We lost C. Enemy has Charlie. We lost A. Oh merde. Merde. Securing Alpha. Securing A. Je vais reprendre ma petite HBR A3. Enemy taking B. M'amuser un petit peu à la mitraillette. C'est des fois c'est marrant de jouer à la mitraillette. Moi j'aime bien. Ce que j'aime bien surtout c'est mettre dans les coins et attendre les ennemis. Ça c'est putain. C'est plutôt fun. Mais là je le fais pas parce que bon il y a des gens qui me regardent, mais sinon j'aime bien le faire. Allez, vite. Oh, merde. Oh, la petite quad-fille à l'HBR, mes couilles, là, elle aurait été sympa. Ouais, elle est longue à dire, l'arme. L'HB, voilà. L'hôpital psychiatrique. C'est un petit peu... tu vois, c'était un peu le nez pris. L'hôpital psychiatrique. HB, voilà. Oh, la vache. Par contre, petit chargeur amélioré, ça serait sympa, tu vois, parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu... il faut prendre un petit peu de balles. Tiens, crève, s'il te plaît. Toi aussi, merci. Non, non, mais c'était comme ça, hein, cordialement. Tiens, venez là. Voilà, encore un double kill, écoutez. Encore une victoire de canard. Ils vont arriver là, ils vont arriver là, ils vont arriver là. Enemy UAV above. Securing C. Losing Alpha. Allez, allez, on balance les kill streaks là. Allez hop. Charlie, secure. Enemy UAV online. Losing A. Our UAV is online. We lost Alpha. We lost A. Enemy care package incoming.
Allez, système hack. Allez, hop, on le balance. Ah putain, j'aurais plus de temps pour lancer mon... Oh bah voilà, tant pis. Bon bah, je me suis bien amusé. Joue à la KF5, s'il te plaît. Bon, bah écoutez... Le jeu s'accabe. Une partie au bouclier, encore un mec perdu. Bon. Ce tryhard. Bah, j'aime bien m'amuser à la mitraillette, des fois. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça saccade ou pas? Mon casque, c'est un... attends. Je crois que c'est Turtle Beach PX22, voilà. Un truc du genre. Donc... non, pas de lad, ni de freeze. On veut du Lynx. Écoutez, pas tout de suite. Comment tu t'appelles, Sky? Je m'appelle Sky Rose. My name is Rose. Sky Rose. non, parfait. Bon, voilà, c'est possible de copier les emblèmes. Je ne sais pas. Mais les commentaires bug, ça marche nickel. Bon, bah, c'est bon. Alors, si ça marche nickel, c'est bon. Pourquoi ça me remet encore sur la même partie? Mais je veux pas faire la même partie, moi. Mais enfin, mais de quoi tu parles? Bon, là, on va se faire un petit peu d'infecter. Allez, bah, ça a été demandé. On va faire un peu d'infecter pour s'amuser un petit peu. Oh, bah, y a un mec qui s'appelle Je Kiffe Sky Rose. Oh, bah, c'est gentil, ça. Oh, bah, c'est sympa. Oh, putain, infecté sur Horizon. Oh, attention. Bon, sinon, est-ce que ça va? Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que vous passez un bon moment? Ouais, en tout cas, bah, ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même pas mal... Enfin, vous êtes nombreux, beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé, vraiment. Donc, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc, bah, j'espère que vous passez un bon moment. Je vais essayer de varier un maximum les choses, les armes, etc. pour essayer de diversifier le live un maximum. Je dis pas que je vais encore streamer pendant 5 heures, hein, parce que j'ai des choses à faire. Mais encore une petite heure, je pense que ça peut le faire. Au début, je pensais streamer pendant une heure, mais vu que bah, vous êtes super nombreux, je me suis dit bon bah je vais pas vous laisser non plus là, puis moi je passe un bon moment, je m'amuse, c'est vrai que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas streamé, presque un an, donc du coup autant en profiter. Ouais, attends, il y a l'air d'avoir du monde. Ouf, c'est pas moi l'infecté. Oh putain, ah il est là-haut. Hé, c'est moi qui l'ai eu. Pousse-toi, j'ai envie. Alors, faire attention qu'il arrive pas par là. Et j'ai fait un long shot quand même. Ah, il m'a pas vu! Oh le con! Oh le pigeon! Je me barre de là, moi. Ça sent. Ça pue du cul là. Oh le mec, il doit être dégoûté! Par contre, un petit passe-passe pro. Et je l'ai échappé belle, hein. Par contre, effectivement, un petit passe-passe pro ne serait pas... je dis passe-passe pro, tu sais, le mec, il est resté collé dans les autres call-off. Ça serait pas vilain, mais... Parce que là, je pense que quand il y a un mec, ça va. Il y a encore un moustique qui est venu me casser, m'escagasser. Hein. Quand il y a un mec, ça va, mais quand il y en a plusieurs, je pense que ça va être assez chaud. Time extended. Ah, ouais, j'ai des petits trucs comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais mettre ça là-haut, tiens, allez hop. Oh, attends, il y en a un là. Ouh, ça pue. Oh putain! Ah, effectivement, là c'était un peu dur, mon pote. Il y avait du monde. Bon, bah écoutez, du coup, ils sont où les autres là? Oh, dommage. Ah putain, j'étais presque le dernier survivant, quoi. Je m'étais même bien concentré. Allons voir. Putain de pute. Pardon, j'ai des petits spasmes. Ah, je suis tombé, tiens. Ah. Allez, il en reste un. C'est fini. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, c'est reparti. Ah putain. Oh, je l'ai pas eu, ce bâtard. La chasse aux moustiques a commencé. Bon.
Alors, voyons voir. Ah oui, là je suis en infecté. J'avais complètement oublié, j'ai dit tiens, c'est bizarre, je suis parti au bulldog et tout. Quelle mouche m'a piqué, enfin donc. Diantre. Alors, hop. Je veux pas être l'infecté, je veux pas être l'infecté. Non, ça va être moi, je le sens, je le sens, je le sens. Non, c'est pas moi. Pardon. Gros coup d'excitation inutile. Il est où l'infecté d'ailleurs? Tiens, on va mettre ça là, hop, on va mettre ça là, hop. Ça sert à rien. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon les mecs ils nous casseraient les couilles. Ah, je l'ai vu. Moi, tu vois, il y a les mecs qui essaient de fuir l'infecté, moi je vais plutôt vers eux. C'est peut-être pas judicieux, j'en sais rien, tu vas me dire. Mais j'aime bien. Là, c'était risqué par contre. Hein. Là, c'était risqué. Ah bah, migration d'autre. Ah, le mec il a pas supporté. C'est pas moi les mecs, c'est pas moi, j'ai pas rage quit. C'est pas du tout mon genre. Non, bah écoutez. Ah, il reste deux survivants. Ah, effectivement, on est plus nombreux là. Alors, il y en a un qui est là-haut. What? Ah, l'enfoiré. Et il en reste plus qu'un là, non? Ouais, allez. Kill cam. Alors, ce que j'adore avec le spike drone, enfin le drone à pointe, on peut le récupérer. Attends, mais. Ah ouais, les mecs ils ont rejoint, ils sont même pas infectés. Mais c'est quoi cette arnaque? Eh, remboursé là. Voilà, attends, je vais aller en dessous parce que je sais qu'ils sont là. Je vais poser mon insertion tactique. Alors, je vais dire ma station service. Voilà. Oula, je vois des trucs qui tirent là-haut. Ah non, c'est les petits trucs. Mais on va arriver à le niquer. Viens là, viens là, viens là. Écoutez, on n'y est pas arrivé, mais il en reste qu'un. Allez, je lance mon truc, si je fais la killcam, c'est bon. Putain, imagine en plus mon vrai. Alors ce que j'adore, le spike drone, c'est qu'il revient. Donc du coup, sur le retour, si le mec il passe devant, il se fait baiser. Ouais, ouais. Ouais, bah voilà, c'est fini. Bon, écoutez. Ouais, classe l'insertion. Ouais, station service, voilà. Bon bah écoutez, apparemment il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. En tout cas, comment ça va? Salut à tous, Skyros, comment ça va? Bon bah je vais changer de mode de jeu. Je vais même changer d'arme, on va voir ça un petit peu. Oh, un colis, qu'est-ce que j'ai gagné? Voyons voir. Oh mon pote, 45 minutes de double XP pendant le double XP, 45 minutes de quadruple XP. Vous voyez pourquoi ça va si vite? Vous voyez pourquoi ça va si vite? Imaginez, 45 minutes de quadruple XP, c'est un truc de mal. Là, non, il me reste une heure. J'en avais déjà, il me reste quasiment une heure de quadruple XP. C'est limite injuste. Voilà, c'est limite injuste. Bon, bah voilà. J'ai eu le moustique. Donc ça fait plaisir. Bon, c'est bon, c'est nettoyé. Donc, on va faire une petite classe. Alors, je vais changer d'arme, oui. La KF5, est-ce que j'ai des accessoires dessus? Non, j'ai rien. Bah oui, j'ai pas trop joué avec. Mais je vais essayer de voir pour changer un peu du snipe, parce que c'est vrai que c'est demandé. Il y a des gens qui disent, ouais, change un peu du snipe. Bon, bah, je change un peu du snipe, alors si vous voulez, change un peu du snipe. Je prendrai pas la MK14, parce qu'elle pue. Et puis, voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai des accessoires là-dessus? Non, j'ai rien, putain, mais c'est vrai que je les ai fait le prestige d'avant. Puis là, les armes, franchement, là, ça sert à rien. Ça, ouais, voilà, bof, quoi. Hein, vraiment, vraiment bof. Et il donne une arme élite qui a 2 de damage en moins, enfin 2 de puissance en moins, et 1 de précision en moins. Ils appellent ça une arme élite. Je pense qu'ils devraient un peu revoir leur nom, parce que là, je vois pas en quoi c'est de l'élite. Ou encore de l'élite parce que c'est plus difficile à utiliser, peut-être, on va savoir. Mais c'est pas trop mon style. Je vais plutôt remettre de la mêlée générale parce que c'est quand même là où je m'amuse le plus. Je vais remettre ma petite arme que j'aime bien. La petite. Ah, je peux pas, attends. Mais qu'est-ce que j'ai fait à faire ça? Petite poignée, boum boum, petit viseur, hop, semi ce truc là. Voilà, petit camouflage en royauté.
Je suis vraiment dégoûté parce que j'ai mis un de mes meilleurs clips sur Advanced Warfare, une back-to-back. Alors normalement vous connaissez le vocabulaire parce que j'ai fait une vidéo explicative sur le vocabulaire du sniper. Donc si vous avez un peu de mal avec le vocabulaire, je vous invite à aller le voir. Même si je l'ai fait sur BO2, c'est toujours valable sur Advanced Warfare. Donc j'ai fait une back-to-back en mêlée générale, quad feed, instant swap. Pardon. Ah bah j'ai boit de le gazeuse en même temps, je cherche un peu le mal. Back-to-back, quad feed, instant swap. Je l'ai supprimé sans faire exprès. Je m'en suis rendu compte ce matin, j'avais les boules. Un de mes meilleurs clips sur Advanced Warfare, je dis putain, franchement. Et en plus, j'étais content parce que je fais single au morse. Je fais instant swap sur l'Atlas, je fais 2 kills, boum, quad feed. Et après, je recharge l'Atlas, je reprends le morse, je fais 2 kills au morse. Je reprends instant swap sur l'Atlas, 1 kill à l'Atlas, je reprends le morse, 1 kill au morse, quad feed comme ça. C'était franchement, le clip, je l'ai kiffé. J'étais là, oh! Et je l'ai supprimé. Comment je l'ai supprimé? Quel idiot! Mais franchement, ce matin, ça m'a bouffé. Tu sais quoi, j'ai même pas allumé la console. J'étais dégoûté, j'avais plus envie de jouer. J'ai dit, putain, ça me casse les couilles, quoi. Perdre un clip comme ça, bon, je referai d'autres après, le mal est passé, mais c'est un peu rageant, quoi. C'est un petit peu rageant. Bon, j'espère que la connexion sera bonne. J'en fais tous les jours, moi, des back-to-back. Bah, écoute, félicitations. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Pas moi. Allez. Ah, merde, je me suis trompé. Allez, go. Ils sont où? J'entends un mec. Mais il est où? Bah, écoutez... Ah. Merde, j'ai pas sauté assez fort. Quoi? Oh, j'étais sur lui. Oh bah tiens, bah ça tombe bien, tiens. Ah, voilà, la connexion a l'air pas mal. Ça fait plaisir. Alors là, c'est vraiment le bon spot. Sur terrasse, en mêlée générale. Vous vous mettez là, normalement, c'est là où tout se passe. Donc c'est là où je vais, et puis au bout d'un moment... C'est comme je vous ai dit, le temps que les gens s'habituent un petit peu, et qu'ils voient ta stratégie de jeu, les gens te rejoignent automatiquement parce qu'ils savent que t'es là. Tu vois, c'est comme si tu restais tout le temps dans un endroit, les gens viennent te chercher. Donc automatiquement, bah, tout le monde reste là, et c'est pas mal. Ah, mais dans la tête, mon pote! Comment je peux faire un hitmarker dans la tête comme ça? C'est injuste. Ah bah ouais, j'ai pas regardé derrière moi, effectivement. Ah lui, je l'ai enrhumé. Ah bah il m'a enrhumé. Dommage. Merde, attendrai un moment. Ah voilà. Ah, oh putain, le hitmarker! Wallbang! Mais il est où lui? Et la collade qui passe pas? Pas sérieux. Et là, je préfère me barrer avec l'explosion. Mais quel con de merde! Putain, mais j'étais là! Ouh, attends, tu vas mourir. Tu ne sais pas encore, mais t'es mort. Il va monter, lui. On a vu un. Merde. Il va où? Merde. Voilà. Oh, putain. Oh, merde! Ah bah c'est con pour toi mon ami là. Là c'est con pour moi parce que j'ai fait une mauvaise manip qui m'a fait bloquer, j'ai pu bouger. Ah non. Non! Bah ouais, derrière tu te le fais voler quoi. Allez. Ah, je prends un petit peu d'avance mais c'est pas encore ça, les mecs ils arrivent derrière à... À être pas mal. Il est où lui? We're winning this fight.
Non, 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 non. Voilà. Ils sont où, là? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là. Ah, putain. Ah. Bon, ça va quand même mieux en mêlée générale. Hein. C'est là où je me sens vraiment confortable, tu vois. Je me sens à ma place. J'arrive, je sais où faut aller. Bah, en même temps, je joue quasiment que à ça, donc... Mais voilà, tu sais où aller, tu sais où les ennemis réapparaissent. Merde, le headshot que j'aurais pu mettre. Putain, t'imagines, mon pote, une petite quad headshot comme ça. Aïe, aïe, aïe. La petite distance, ça fait plaisir. Ah, le hitmarker! Il est dégueulasse, ce hitmarker! Ah, merde. Ah, vraiment crade. Bon, bah, au moins, j'ai bien conservé mon avance. Ah, putain. Bon, allez, c'est fini. On va tenter un petit trick shot en live. En plus, là, je me suis fait un petit peu d'avance, donc tant mieux. Bon, bah, voilà, je me suis fait tuer, donc j'ai pas pu le tenter, celui-là. Bon, encore une fois, pour ceux qui viennent de rejoindre et pour ceux qui me connaissent pas, je suis une quiche. Mais casse-toi, bordel! Mais laisse-moi t'en ramper! Voilà, je suis une quiche absolue en trickshot, donc je tente des petits trucs, tu vois, comme ça. Voilà, bon, je sais pas, je tire un peu dans le vent, un petit peu au bonheur la chance, tu vas me dire. Ça tape, c'est bien, ça tape pas, je m'en bats les couilles, de toute façon, comme j'en ai jamais mis, ça me changera pas la vie, tu vas me dire. Bon, heureusement que je suis pas trickshotter, parce que sinon je serais malheureux avec le nombre de trickshots que je mets. Et par contre, là, si je mets un hitmarker, mon pote, je te casse la télé. Attends, je peux récupérer mon spy drone normalement. Casse-toi, mais sans blague. Mais arrête de faire genre, Jean-Louis, là. Mec, ça y est, il a sorti les gros bras et tout. Qu'est-ce qu'il me tire dessus, lui? Par en tuer un quand même. Ah, le truc sur place, mon pote. Ignoble. Allez, hop. Boum. Oh merde, dommage. Quoi? Oh, il m'a rattrapé, The Kid Dynasty. Oh l'enfoiré, j'ai même pas fait attention. Chez moi, il est 7h du soir. Putain, mais il doit être vachement tard chez vous, les mecs. Eh, vous êtes... Eh, bon, ça va, on est samedi soir, mais quand même. Eh, y a pas mal de Québec. Moi, Belgique, bah, dédicace à tout le monde. Hein. Je peux pas faire mieux. Dédicace au Québec, à la Martinique, à la Guadeloupe, Strasbourg. Ah, ah, ah. J'allais dire une... une plaque de merde. vous savez qu'il y avait... Il y a une usine... Il y a une usine Citroën à Strasbourg. Et c'est là qu'ils fabriquent la C6, la C6 de Strasbourg, voilà. Pardon, excusez-moi. Je vais passer donc le Prestige 11 en live. allez, c'est parti, passons le Prestige, mode Prestige, oui, le Prestige Unlock, machin, tout ça. Alors, je vérifie bien un truc, voilà, ok. Donc, on va partir, mort info, check, machin, blabla, mes couilles. Je vais donc débloquer cette arme-là. Voilà, je vais la débloquer, machin, Enter Prestige. Ok, c'est bon. Donc, je suis donc Prestige 11 en live. Oh, oh. Merde, j'ai pas regardé mes stats. Ah, mais ça change rien, de toute façon, puisque mes stats sont les mêmes après. Voyons voir. Weapon. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas ça. Challenge, combat record. Voilà. 5 jours et 1 heure de jeu. Putain, décidément, il a pointé, le petit Sky Rose. Score par minute, 300. C'est pas mal. C'est pas le top sur BO2, j'avais plus. Pardon, l'eau pétillante qui veut sortir. 16 000 kilos morse, c'est bien aussi. Bon, bah ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. Un prestige est déjà passé. Voilà, donc on va voir maintenant. Alors, attends, je vais faire ma création de classe, bien sûr. Avec la balle 27, voilà. Hop, hop, hop. On va essayer de faire un max d'XP comme on a fait sur les autres classes. Hein. Voilà, on copie tout ça là, et voilà, on va changer d'arme, hop, 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 tac, tac, tac,
Et là, la MK14. Voilà. Donc, on va faire la même chose pour... non, attends, voilà. Non, c'est pas ça. Ah, décidément. Voilà, voilà. Donc, on va faire la même chose pour les snipers. Et donc, logiquement, on va essayer de gagner quand même un max d'XP. Ah, mais j'ai pas le... C'est pas grave, je l'ai par défaut de toute façon, le morse. Et on va faire le petit passage au prestige 11. Donc en live, là, plus en live que ça, on peut pas. Et j'ai encore 6 minutes de quadruple XP. Donc logiquement, si les bugs fonctionnent encore, plus une partie quadruple XP... Ça risque de faire mal. Voyons voir, qu'est-ce que je vais lancer. Peut-être de l'EC à la limite. Ouais, je vais peut-être le lancer de l'EC pour que ça dure un peu plus longtemps. Skyrose, est-ce que tu viens de Sens en Bourgogne? Oui, effectivement. Je suis né à Sens en Bourgogne, dans l'Yonne. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai passé 20 ans de ma vie. Après, pour raconter un petit peu ma vie, hein, j'ai fait des études, j'ai eu un bac scientifique. Et après, je suis parti à Dijon pour faire l'école de médecine. Où j'ai lâché l'affaire parce que c'était pas vraiment mon... C'était pas mon délire. Merde, dommage. C'était pas mon délire. Et après, je suis parti à Orléans pour faire une école de commerce. Voilà, tout simplement. Pour raconter un petit peu ma life, mon histoire. Quoi? Mais tu te moques de moi, là? Oh, c'est une blague, c'est une boutade. Et là, au niveau d'XP, ça va pas être le top, là, si je continue comme ça, hein. Enfin! Le bug fonctionne encore, en tout cas. Ça, c'est bon, on le vérifie. Donc, je vais essayer de m'améliorer un petit peu quand même pour obtenir un maximum d'XP grâce à ça. Ah merde! Mais t'es pas sérieux, putain, y'avait du monde là-haut. Vite, fonce, Johnny Jumper. Je suis level 9, hein, attention. Allez, je vais changer d'arme, y'en a marre. Oh, y'en a un là-haut. Me tue pas. Le mec, il est mouru d'une position assez... Ah putain, mais vous allez finir de camper là-dedans, bande de salopes! Voilà. Bordel de merde. Ah bah d'accord. Ouais, je vais partir sur la HB machin. La... Je sais plus comment j'avais dit comme connerie tout à l'heure. Mais on peut voir que le bug existe toujours. Voilà, donc on se fait quand même assez plaisir là-dessus. Sale con pouce de merde. Ça campe sévère en face, hein. Ah bah ouais, mais là je vais pas rusher, mon pote. Oh merde, bon allez, hop, je vais basculer sur celle-ci. Bon, finalement, je me fais plaisir. Arrête! Putain, mais je perds tous mes duels, quoi, c'est un truc de ouf, hein. Oh, l'autre! Vous l'avez vu, là? Attends, je vais le chercher, attends. L'autre campus de merde, là. J'arrive pour toi, petite salope. Oh putain. Ouais, je vais changer. Oh la MK14. Oh l'horreur. Kill confirmed.
Ah non, il y avait du monde. Ouais, j'y retourne. L'autre il va être encore là-dedans, la pauvre fouine de merde, là, c'est sûr. Il est où? Oh merde, bon allez hop, on va changer d'arme, on va prendre le Lynx. Voilà. Level 18, ça va plutôt bien. Ah dommage. Là, ce qu'il faudrait vraiment que je fasse avec le Lynx, c'est un headshot, quoi. Headshot, long shot, comme ça, ça me compterait 4 défis, ça serait plutôt pas mal. 2 hit markers sur le même mec, d'accord, tout va bien, au calme. Posé, pépère, tranquille, ça va. Ouais. La bonne technique pour faire les long shots, c'est se mettre à distance, hein. Ça paraît con comme ça, mais... Oh, le recul. Non, mais c'est ignoble, hein, quand même. Et quand tu regardes, tu vois le Lynx, comment c'est, là. Tu regardes ça par rapport à n'importe quelle arme. Tu vois bien que la disparité est quand même énorme entre les armes, quoi. Oh, j'ai fait un headshot, putain. Il est où petit Billy? Je vais changer d'arme, je vais prendre le NA45. Tu vois, je préfère même le NA45 au Lynx, c'est pour te dire. D'accord, le mec, je l'ai même pas explosé. Ok, au calme. Il y avait du monde en plus. Oh bordel. Niveau 20, voilà. Ah putain, il y avait l'autre campeur là-dedans. Bon, avec cette arme-là, il faut des fois, là où tu penses qu'il y a des gens, tu tires. Tu vois bien. Putain. Ouais, tu te dis, ça se trouve, il va pas passer par là, donc t'en profites, mais... Et bah... Oh, putain, je l'ai survécu, le mec. J'aurais dû même lui faire un headshot. J'aurais dû en profiter. Tiens, je vais changer de classe tant que je peux. Il reste encore un petit peu de temps, donc du coup, je vais pouvoir faire tout. Merde. Allez. Là, il y a du monde qui va arriver. On attend sagement. J'ai dit d'attendre sagement, pourquoi je me suis barré. Oh, le mec il s'aventure pas, hein. Moi, ni lui, ni moi, ni nous, ni vous, personne. Voilà, le mec est un peu genre en mode... Je suis tranquille. Alors attends, viens là. Oh putain, je l'avais vu. Ah. Merde, on fait qu'un. Bon bah voilà, il me restera le morse. Un petit headshot, ça serait pas mal. Bon allez, je vais prendre le morse qu'il y a ici, hein, dans la classe par défaut. De toute façon, c'est pas forcément... Merde, il s'est déplacé plus que je pensais. Ah putain. Allez, go. Arrête. Mais le mec, il campe là-dedans, il reste un tout petit bout qui dépasse. Et comment ça se fait que je l'ai pas, moi? C'est pas normal. Putain, voilà, je l'ai eu. Fais chier, bordel. Allez. Oula, merde. Oula. Tiens, qu'est-ce qu'on va prendre comme arme là pour rigoler?
On va prendre celle-là. Allez, on va essayer la ME, hein. Je sais pas ce que ça donne. Mais on va voir. Comme ça, j'aurais pris une tonne d'armes pour ce gameplay. Allez, hop. What? Ah ouais, ça c'est une arme... une arme barbecue. Oh voilà, c'est fini. Bah écoutez, le viseur défonce les yeux, ouais. Là, combien j'ai gagné là? 23 levels en une seule partie. Et après, c'est pour vous dire que ça va vite. 23 levels. Putain, c'est énorme quand même. Hein. C'est vraiment énorme. Bon, j'ai fait une partie catastrophique. Bon, on peut dire que je m'étais pas vraiment bien équipé. Avec toutes ces armes de mer, sans atouts, sans accessoires. Dans le live, le Becherel est mort ce soir. RIP le Becherel ce soir. Combien j'ai gagné d'XP là? 166 000. Oh, popopopolo. 166 000 XP, c'est vraiment énorme. C'est quoi ça? Marchman Exo. D'accord, j'ai gagné ça apparemment. Bon, bah écoutez, on va le mettre, tiens. Je sais pas. Voilà, bon, bah écoutez. Ça fait quand même beaucoup. Beaucoup d'XP gagné en une seule partie. Il y a encore le double XP qui traîne en plus. Donc là, bien évidemment, j'ai débloqué le sniper Morse. Donc voici mes variantes. Voilà. Bon, c'est pas forcément... Alors celle-là au début j'aimais bien, mais c'est vrai que je me tape autant d'hit marqueurs, donc ce qui est quand même une honte. Et par contre le temps de réarmement lui est aussi long, hein, donc bon, on va prendre celui-là, le Tumblr, j'ai rien avec. On va se mettre quelques petits atouts, puis on va partir pour une ou deux parties, puis après je vais arrêter parce que je commence un peu à fatiguer. Mais j'imagine que vous c'est pareil, mais... Et honnêtement, je m'attendais pas à faire un truc si long que ça, mais comme je vois... putain, je peux déjà tout personnaliser, c'est génial. Ah là là. Qu'est-ce que... Bah, tiens, je vais prendre ça, alors ça. Scramble, Detection, Speed. Là, je vais prendre Sentry. Et puis, voilà, 360. Et là, cette fois-ci, je vais prendre... agresseur, bah non, si je vais là-dedans, donc extra fer, voilà, c'est tout ce que je vais prendre. De toute façon, je sais tout ce que je peux prendre. Une petite arme secondaire quand même au cas où, voilà, celle-ci, boum. Et c'est parti, on va essayer de débloquer quand même quelques petits accessoires, puisque c'est le but. Nous, on vient de se réveiller, putain, il y a des gens qui viennent de se réveiller. C'est bien. J'ai pas vu combien... J'ai gagné 166 000 XP. Ce qui est énorme. Je viens du Mexique Sky. Ah, dis donc, des gens du Mexique, ça, ça fait plaisir. Free for all. Ah bah tiens. Oh la co. Ah bah j'ai gagné un supply drop, tiens. Par contre, la co, c'était pas terrible sur le coup. Peut-être que c'est juste, ça vient juste de ce qu'il a. Merde. La petite gamin. Il est où? Attends. Il est où lui? Oh mais c'est dégueulasse. Putain, je continue à gagner plein d'XP là. C'est ouf. Il est où le mec là qui tire là comme un con? Oula. Ah merde! Oh, il y avait du monde en plus, hein. Putain. Alors, est-ce qu'il y a des gens? Quoi? Putain, mais il lag ce con! Putain, ça va les hitmarkers là? Un mec, il a disparu. J'ai pas trop. Oh, mais tu es sérieux? Putain.
C'est un peu relou, hein. Ah, mais non! Mais non! Mais non! Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc qui flotte. Ah! J'ai la première fois que je vois ça! Bon, par contre, la partie, elle pue la merde. Je vais pas dire, mais... ça pue la merde. Ça pue la merde! Ça sent le caca! Oui, je sais. Mais je vais bientôt arrêter. Mais j'ai faim. Oui, moi aussi, j'ai faim. Coquine, va. Mais tout le monde te voit, patate. De vrai? Oui, là, regarde. Non, mais je... Attends, je crois qu'on va plus voir là. Regarde. Coucou! Bon, on va voir qu'est-ce qu'on a gagné. Tiens, attends. Pour rigoler. Quoi? On va finir le live avec toi qui joues. J'ai jamais même joué avec ce type de manette. Tu veux jouer? Ils vont pas aimer. Est-ce que vous voulez qu'elle joue ou pas? Dites oui ou non. Pour la dernière partie, parce que je vais devoir arrêter. Je vais pas dire que je fais un peu tard, parce que chez vous, il est plus tard que ça. Mais est-ce que vous voulez qu'elle fasse la dernière partie? Non, je n'ai pas des pattes. Salut King Cake. Coucou. Coucou. Hey, c'est Thomas, tu crois qu'il est sur Instagram? Ah, il y a déjà un oui. Oui, oui, oui. Ah bah voilà, oui en majorité. Voilà, bon alors je vais te faire une petite classe. Je vais te faire une classe quand même. Avec une arme logiquement facile. Voilà. Ça, je vais te l'enlever parce que je pense que c'est pas la peine. Voilà, on va te mettre. C'est drôle, mais non. Oui, ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Malheureusement, j'ai aucun accessoire à lui passer. Donc, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Là, c'est pour sauter. Là, c'est pour viser. Là, c'est pour tirer. Là, c'est pour recharger. Ça, c'est la Xbox. Oui, et là, c'est pour se déplacer. Ok? Ok. Ça va? Tu peux pas être une fille. Tu peux être une fille si tu veux. Allez, on va te mettre en fille. Voilà, on va te créer une fille. Voilà, c'est ou femelle. Voilà. Alors, toi, tu ressembles plutôt à elle. Elle, je crois. Ouais. Voilà, mais de toute façon, on voit pas la différence. Par contre, on dirait comme si t'as... Ouais, ça fait plus fin, c'est bien. Bon, bah écoutez. On va peut-être changer le... Voilà, on va prendre celle-là. Non, tu veux le masque? Ouais, ça fait cool. Comme ça? Celui-là ou celui-là? Une casquette. Ça te va bien, une casquette. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, celui-là. On dirait que tu vas à la piscine. La piscine des années 60. Ah, on va te mettre un petit t-shirt blanc. Ouh, sexy, oulala. Tiens, on va mettre... Te projecte pas, hein. Voilà, on va te mettre un petit pantalon rouge. Parce que toi, t'es à la mode. Non, bleu. Allez. Voilà, c'est toi. Ok, c'est parti. C'est cool. Ah non, attends, j'ai oublié un truc. Des gants violets et des lunettes. Des lunettes, voilà. Dis donc, l'invasion de petits cœurs. On se croirait sur Dragon Ball. Oui, c'était une blague de merde encore. Pues vamos a hablar español entonces para que entiendan. Si? Ah, DNA. Alors, objectif, tu fais une bombe DNA. C'est-à-dire 30 éliminations sans mourir. Ah, objectif, fais un kill. Ça, je te l'ai fait en 2 minutes. Très assorti niveau couleur. Allez, c'est parti. Je vais te mettre un match à mort, tranquille, comme ça. Regarde, t'es pas jolie. Mais... Allez, bon, assis-toi. Vas-y. Tiens, prends le casque. Allez, assis-toi. Oh, mon Dieu. Je crois que ça fait plus d'un an que je joue pas. Allez,
On va voir ce que ça donne. Ok. Ça? Je mets Team Deathmatch ou quoi? Oui. Tu sais, quand tout à l'heure les chiens ils m'ont embêté. Puis là, jouer. Tu ouais. mets encore? Oui, non, tu attends. Ah! Ok. Voilà. Moi en plus je joue Iron Skyros. Oui, bon, je m'en fous que tu rassures, donc tu peux y aller. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que t'es mauvaise et que tu vas te faire tuer partout. Double DNA, attention. Alors, on fait un pari. Est-ce qu'elle va faire plus ou moins de 5 kills? Attends, passe-moi mes lunettes alors. Tu veux, non, ça, non, tu veux ça? Ouais. D'accord. Voilà, je me mets à ta taille. Plus de 5 kills, plus de 5 kills. Dis donc, il y a de la confiance en toi. Oh là là. Allez, prends cette place-là. Et ça? Oui. Comme ça. Voilà, oh mon dieu. Moi, je dis 2 kills. Allez, faites vos paris. Combien de kills? Il paraît qu'il y a double saut aussi, non? Double oui, là? Ok. Teste-toi un peu comme ça. Regarde. Attends. Laisse-moi, David. Ah, je suis en inversé, peut-être. Oui. Tu veux que je mette en normal? Si. Je baissais un peu la sensibilité. Vibration, calibration, voilà. Donc normalement, regarde, t'appuies une fois et après t'appuies deux fois, ça c'est plus. Mais là, déjà, okay, il y a un plafond. On peut pas y aller. Oula. Tu veux baisser la sensibilité ou c'est bon? Je pense que c'est bon. Ça, c'est pas un ennemi. Ah, c'était presque, hein. Tu l'as touché. Comment j'ai fait pour quitter ça? Ah non, j'attends. Non, bah, tu peux faire ça. Ah d'accord. Comment je fais pour aller plus rapide? Ah voilà. Tu peux sauter double pour aller plus vite. Oula. Alors, petit conseil, ne tire pas si tu le vois pas. Parce que pour tuer à travers les murs, c'est assez difficile. Donc il faut plutôt assurer ton kill plutôt que... Mais il s'approche pas quand tu vois que je tire? Est-ce que tu seras assez rapide? Assure plutôt la sécurité. Oh là là. C'est supposé être amusant, Skyros. Non, c'est ma faute. J'ai fait comment là? Là? Ah, c'est bon. Non, vas-y. Tu fais comment fait? Ouh! Comment fait? Comme ça! Ah. T'as fait un kill? Oh, t'as fait un kill! Tu étais pas là? Non, j'ai pas regardé. Oh mon dieu, tu regardais quoi? Quelqu'un qui disait des conneries, donc il est bloqué. En plus, j'ai pas décolleté. T'as pas décolleté? Non, ça c'est pas... Ça c'est pas un ennemi. Oh là là. Ah, je meurs pas quand je saute comme ça. Non, tu meurs j'ai pas. Des super pouvoirs. Non, là tu meurs pas. Tu peux sauter d'aussi où que tu veux, tu meurs pas. La carte elle est super petite et je suis perdu tout le temps. T'es perdu. Ah. C'est à droite. Oupsie. Voilà. Tu vois, c'est de faire en long comme ça. Ok. Je peux sauter dans la mer? Tu peux sauter dans la mer, mais tu veux. Ah. On sait pas nager. Allez, allez, allez! Oui! Wouhou! Recherche, on cherche. Comment, comment je recherche? Comment? Le petit. Mais comment ça se fait qu'il est invisible? Quoi yeah 3, ça fait 3, ça fait 3. Et je suis en train de mourir! J'ai respiré bizarre. Il va dans un coin et recharge ça. Recherche quoi? L'arme. Comment on fait? Je t'ai déjà dit à plus. Mais je vois pas quand tu parles. Celui de gauche. Ah, ok. Tu les vois, ils sont là-haut. Ok. Et j'aime bien cette manette, hein. Elle ressemble beaucoup comme à la PlayStation.
Non, mais elle est... C'est pour moi. Ah. Et pourquoi j'ai pas gagné? Ça fait 4, ça fait 4. Ça fait 4. Attention, on va voir ceux qui ont dit moins de 5. Aïe, aïe. J'ai la pression maintenant. Ah oui. Aïe. Et c'est ta première partie sur Advanced Warfare. Et même sur Xbox One d'ailleurs. J'aime bien, hein. Je crois que je suis en train d'être inspiré sur ta manette. Meurs. Reviens. Oui, je suis nocieuse déjà. Et encore, t'as pas fait le double saut encore. Fais voir. Oui. Oh. Quel fail. Ah, oh. Comment on fait le couteau? Comme ça aussi. Comment? Ah, pareil. Ah, ok. C'est pas un couteau, c'est un coup de poing. Ah, ok. Oupsie. Et encore, t'as le désavantage, tu connais pas la map. Hein. Mais il est où? Il y a plus personne. C'est parti. Là-haut. C'est bien, c'est prudent. Très bien. We're losing this fight. Tu peux le faire, tu peux le faire. We're losing this fight. Oh, dans la tête en plus, t'as tiré, c'est dommage. Je suis trop nerveuse, trop nerveuse, trop nerveuse. Qu'est-ce qui va arriver? Ah, t'as fait déjà du bon boulot, hein. Je peux pas laisser voir ceux qui ont cru au moins. Non. Je peux sauter par là? Non, tu vas mourir. Pourquoi? Bah parce que c'est le vide. Si tu... Mais lui il a sauté, je sautais aussi. Ah oui, tu peux sauter si c'est la plateforme mais pas dans le vide. Oui, oui. Mais il tire à qui? Je sais pas. Oh, double kill. Oh, double kill. Aïe, je me fais tuer, j'ai oublié. J'ai oublié que j'ai... c'est pas moi qui est morte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, continue, continue, vas-y. On commande une pizza ou quoi? Voilà. Ah! Ah! Dis-là, t'y arrives bien, hein? Pour une première partie, c'est pas mal. Enemy UAV online. J'aime bien, j'aime beaucoup cette manette. Oui, moi aussi, j'aime bien. Oui. En plus, il y a un grip derrière qui fait qu'elle est plus confortable. Ouais. Quoi que si tu transpires, ça marche pas grand-chose. C'est dommage, vous allez perdre, mais je suis sûr que t'es pas dernière. Enemy UAV online. Je crois que je sais. Bah, je sais pas, il y a quelqu'un qui tire comme. Dans le vide. Tu peux pas sauter là? Ah, c'est fini. Ouh. Alors, Mayama, comment c'était ta première partie? Ah, beaucoup de. Dépression, des stress, des émotions. Regarde, t'es troisième. T'as fait du 6-10, t'es troisième. Mais ouais, hein. Waouh, félicitations. Oh yeah. Aïe, pardon. Aïe. Regarde, là, il a fait du 3-4, du 3-2, du 5-17, et il est niveau 15. Bah, tu sais, je suis un PGM. Ouais. C'est juste que, bon... Félicitations. J'étais débloqué dans mon premier carte. Merde. Merci à tout le monde. Bye. Merci à toi de pas avoir trop abîmé mon ratio. Alors, qu'est-ce qu'elle a débloqué? Rien. Bon. Et eh ben, c'était plutôt pas mal. Vous avez vu que finalement, elle s'est bien débrouillée. Et elle est partie. Alors, on... ah non, c'est le chien qui arrive. Ils ont mangé les chiens? Ah. Oh, pardon, tes jolis cheveux. Il y a quelqu'un qui a demandé quand est-ce que tu reprends les vidéos. Oh, oui. Oui, ça fait longtemps, hein. Oui, j'ai encore la PS3, hein, et je l'utilise que
Si tu veux, j'ai enregistré le gameplay, on pourra le mettre. Ton premier gameplay sur Advance Warfare. Ouh là là. Faudrait que je m'achète un Xbox One et Giants. Non, mais t'es pas si forte. Hein. Ça vaut pas le coup. Hein. Je te prêterai la mienne quand j'irai dormir, à la limite. Deux Skyrim placés. Team Deathmatch. Depuis MW3, il y a des gens qui savent. Hein. C'est vrai que sur MW3, elle avait même la MK14 en or, c'est pour vous dire. Attention, PGM. Je vous veux promettre des... Oui, Robex qui dit des insultes, mais comme si il était plus beau que tout le monde. Oui. De quoi? Ouais, il doit être moche. C'est pas gentil de juger les gens comme ça. C'est un peu. Promesse. Je vais finir. Moi qui voulais aller dormir, bah c'est raté. Ouais, j'ai pris la manette, j'ai joué, mais c'est vraiment instinctif comme ça, tu sais, c'est... Non, là, c'est... ça va être fini. Oh, il a mis de la santé en plus. Roubaix, tu pues du cul, c'est pas sa faute. Bah ouais. Bah du coup, on l'entend plus, Roubaix. Bah ouais, mais bon. Bon, il y a des gens comme ça qui sont un peu frustrés, qui veulent dire des trucs, tu vois. On peut pas forcément contrôler tout le chat, mais je trouve ridicule que les gens disent des choses comme ça. Mais bon, si ça les fait sentir mieux dans leur vie de merde, après, on va me dire, c'est leur problème. Hein. Les valises? Quelles valises? Oui, ça c'est vrai, c'est une vraie perle. Et elle lâche beaucoup de perles d'ailleurs. Quoi? Lâcher des perles, c'est une expression pour dire péter. You, comment j'ai dû dire des mots comme ça, comme péter? Ah là là. Alors, regardez, mais attends, je fais le même score que toi, à 11. Te moque pas, hein, s'il te plaît. C'est pas bien de se moquer. Hein. Tu vois, regarde, tu critiques Roubaix parce qu'il se moque. Je suis pas moqué. T'as... Bon, rigoler, c'est pas moqué. Non. C'est, tu viens de quelle planète, toi? Ah bah, raconte la blague, alors moi, je vais écouter. Moi, je vais écouter la blague, alors. Vas-y, vas-y. Allez, allez. D'accord. J'y crois pas trop, mais bon. Et des enfants en projet, effectivement, on y pense. On y pense. On s'entraîne. Ouais, moi je vais demander au Père Noël, moi. Ah! Arrête, je me suis fait tuer, c'est ta faute. Eh, hey, il est pour toi celui-là. 13-12, tu vois, j'ai battu ton record. Il est mort. Ah, mince. Oui, il y a un décalage. Entre ce que tu vois, enfin, entre ce qui existe et ce que tu vois, il y a un décalage, effectivement. Moi, je m'appelle Julien. Ah,
parle dans le micro. Décembre. Et après, je vais faire un stage dans un centre d'investigation et recherche. Et puis, pour l'été, j'aurai voilà, bientôt, vétérinaire. Oh merde, il était où ce con? Bon, ça va être définitivement la dernière partie. Oh merde, il y avait du monde. Merci, ça fait plaisir. Bah, j'espère qu'en tout cas, pour cette fin de live, j'espère que tous ceux qui ont participé, qui sont encore là, il y a eu vraiment beaucoup plus de monde que ce que j'avais imaginé qu'il y allait avoir aujourd'hui. C'est vraiment très très bonne grosse surprise. Et bah, en tout cas, j'espère que tout le monde a passé un bon moment sur le live. Et avec plaisir, de toute façon, c'était le but de la reprise des lives, d'en refaire après prochainement. Vous avez quel âge? Alors moi j'ai 22 ans. Oui. Comment il s'appellera? Jean-Louis, bien sûr. Il s'appellera Jean-Louis. Quelqu'un adore ton accent, ça fait plaisir. Est-ce qu'il faut savoir qu'au départ, elle parle pas français, hein, elle a appris le français, hein, donc forcément, attends, je vais quitter, voilà, regardez, moi je suis une petite fille, c'est toi, c'est moi, j'ai joué avec toi en fait, donc ça t'a fait du vin, et vin c'est bien, ça fait un bon truc. Il y a beaucoup de gentils messages, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Oui, mais je... Bah, de toute façon, je ferai la rediffusion du prestige du live. J'ai tout sauvegardé, mais là, ça fait beaucoup plus long que ce que j'aurais imaginé, donc je vais essayer de faire un petit condensé en fait du live rediffuser justement un petit condensé du live. En tout cas, franchement, un énorme merci à vous tous d'avoir participé. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Je vous assure qu'il y aura d'autres lives très prochainement. Bah oui, très prochainement, voilà. Donc, sur d'autres jeux qu'Advanced Warfare. Donc, il y a Advanced Warfare, bien évidemment, en majorité, mais je ferai d'autres jeux. GTA 5, là, il y a The Crew qui va sortir, donc peut-être que je ferai un gameplay en live sur The Crew. Et puis, on verra un peu par la suite. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Twitter. Moustique de merde. Sur Twitter. Sur Twitter et aussi sur YouTube, faire une petite vidéo annonce comme j'ai dit que je dirais, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disent ouais, mais nous on n'a pas Twitter, donc comment tu nous annonces? Donc je mets à chaque fois une petite vidéo sur YouTube et après bon, je la supprime quand c'est fini, de toute façon c'est plus il n'y a plus d'intérêt, donc voilà, donc merci vraiment du fond du cœur à tous, ça fait vraiment extrêmement plaisir et puis bah, je vous dis à la fois prochaine, allez ciao, bye bye.